Tout fonctionne bien, let's go! Salut mon petit pote, salut Gumbrush, salut! Installez-vous sur le live, venez, enfin je vous laisse vous installer. Et oui, je t'arrête tout de suite, on va faire une seule game parce que. Voilà, j'ai mon taf qui est là. Ensuite, faut bien qu'on entame, faut bien qu'on travaille. C'est les mauvais dossiers que j'ai ici d'ailleurs. Je voulais vous sortir en fait les trucs de pawn, mais je les ai mal rangés. Et voilà. Voilà. Dans cette pochette qui est très très belle, une pochette de belle au passage. En gros, juste ici, on a les scénarios. Allez, sors de là. Voilà. Là, je vous présente. Je vous en parlerai plus en détail du coup en deuxième partie de live quand on va vraiment travailler. Mais en gros, là, on a le scénar de Pawn. La vidéo que vous avez peut-être vu passer sur YouTube. Tac tac tac. Allez, s'il te plaît. Non, il a pas envie. Ok. Bon bref, on a 8 pages. Tac 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 de scénario. On a ensuite, parce que c'est pas fini bien évidemment, on va poser les scénars derrière. Voilà, je vais rapprocher ce truc-là. On a ensuite ici ce qu'on appelle un storyboard. Voilà, on a pareil plein de pages de storyboard où on peut retrouver du coup chaque scène. Je sais pas pourquoi je prends cette voie-là. En vrai, je suis assez fier parce qu'il y a beaucoup de trucs comme ça qui ont été taffés. Et le reste, je vais vous le montrer au fur et à mesure. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je voulais mettre côté, je vais le montrer tout à l'heure. Ok, le reste, je montre tout à l'heure. Toc là, et les derniers trucs, c'est ça. Ça, c'est le dossier de prod de Pun. On a comme ça 32 pages de blablabla de cette prod. Voilà, et c'est ça qu'on va entamer tout à l'heure. Parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, en gros, Pun que vous avez vu sur YouTube, je suis censé le modifier, je suis censé le changer. Pour mon rattrapage, parce que du coup, ce projet n'a pas plu. j'en rigole, faut en rigoler. Mais avant ça, parce qu'actuellement, il y a une petite passion pour ce jeu vidéo là. Je sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo. Et ben, on va aller se faire du Valorant. On va juste se permettre un combat en équipe, puis on va partir en game normal. Et du coup, on va se faire une game normale, puis on va aller travailler. En plus, vous allez voir que depuis la dernière fois, on a fait quoi? 2-3 lives Valorant, je crois. C'est addiction, pas passion. Non, c'est les deux, c'est les deux, c'est très cool. C'est très cool, Valolo. Valolo, je l'appelle même Valolo maintenant, ça c'est devenu mon pote. Hop, et on main jet actuellement. Non, je sais plus, on a fait 2-3 lives, mais le premier, je me souviens que c'était catastrophique parce que forcément c'était un peu de la reprise. Et là, il se pourrait que je commence à prendre en main. Je commence à prendre en main le jeu. Et à bien apprécier. De toute façon, si vous êtes sur Discord, vous devez voir qu'il y a très souvent, on est en train de jouer à Valorant. J'ai même mes potes qui se mettent à jouer à Valorant, du coup, bientôt on pourra proposer quasiment une team entière. Il y aura Jess, il y aura Eric, avec Dragounet, j'ai joué avec lui récemment. Et Kozo qui est un peu absent actuellement, mais qui va revenir et qui m'a dit qu'il voulait jouer à Valolo. Du coup, parfait. Ça va partir sur Valolo. Et après, on fera des stream squad, à part si mon PC tient pas. Mais là, normalement, vu que je viens de l'allumer et que le live vient d'être lancé, ça devrait tenir. Même moi, je suis pas sûr. En plus, en haut à gauche, il y a le. En haut à gauche du jeu, là vous le voyez pas dans le chargement, mais il y a le temps de réponse. Du coup, petite détente Valorant, et ensuite ça va être du taf sérieux. On ira jusqu'à minuit max parce que demain faut que je me lève tôt. Parce que demain je prends la voiture, vroom vroom. Mais en tout cas, ce qui va être cool par contre, c'est que vu que je dois changer Pawn, parce que j'aurais voulu stream à l'époque quand je faisais Pawn, mais en fait si j'avais stream, j'aurais spoil Pawn. Là, l'avantage c'est que le truc il est sorti. Du coup, je peux stream et montrer tout montrer parce que de toute façon, on s'en tape. Peut-être que je diffuserai, ça faudra voir, mais peut-être que je diffuserai la version rattrapage sur ma chaîne secondaire. Imaginez, elle fait plus de vues que là. Oh, ah, du coup, je vais peut-être pas le faire. Parce que ça serait. Non, c'est pas possible, mais ça serait ridicule, genre, si je diffuse la nouvelle version sur la chaîne secondaire et qu'elle fait plus de vues que la version normale. Ce serait un message genre, Gaëtan, tu t'es trompé, ton projet il était pas ouf. Je sais pas. Ça, on verra de toute façon. J'essaye de meubler parce que là, de toute façon, c'est un chargement. Et après, on va faire un petit combat à bord. Je sais même pas si je tiendrai jusqu'à minuit. Petite fatigue.
dit le mec qui s'est levé à midi. Est-ce qu'en vrai, de toute façon, pendant les vacances, est-ce qu'on est raisonnable avec les horaires? À part que si on est vieux, hein. Mes parents ils se lèvent à 6h, je sais pas comment ils font. Du coup, il faudra que je rouvre le Photoshop, l'After Effects après de Pone. Mais je ferai des copies parce que j'ai pas envie de modifier les fichiers originaux. On va les taffer sur un autre fichier. Ah, c'est bon, ça va arriver. J'ai lancé un combat mort par équipe. Très souvent, c'est du combat mort normal, mais c'est juste que j'aime bien le modèle de celui-là parce que ça te force à jouer des armes. Du coup, là par exemple, on joue Ghost, ensuite on passe en phase 2, on a ça, phase 3, on a ça, et phase 4, on a ça. La cam est peut-être encore un peu trop haut. Parce qu'en gros, dans l'idée. Là, j'allais dire, il n'y a plus de jeu. Voilà, là dans l'idée, vous voyez à peu près bien. Ok, ils sont timides. Oh, j'aurais trop eu le seum si j'étais mort sur mon premier kill. Ok, on va se heal. Ah, j'ai paniqué. Ouais, le fond de bureau, c'est Liofotia. De première. Si t'as toujours pas vu, il faut absolument regarder Liofotia. Première, enfin Liofotia. Après, tu peux regarder Liofotia, tu tapes Liofotia sur Google et t'as capté. Hein. Ok, c'est le bordel là-bas. Qu'est-ce que je fous? Au secours! Ah! Au secours! On va se heal! Je sais pas ce que je suis en train de branler! Bon, c'était mérité! C'était un peu le bordel, on va sortir le shérif. En même temps, j'avais une arme en main en fait que je n'aime pas. Des fois, t'as pas le feeling et celle-là, je l'aimais pas, je voulais pas jouer avec. Oh, tu t'es mis devant moi, tu fais chier. Ok. Oh, passe une bonne soirée, Zelma. J'espère que tu profites des vacances. J'ai pris quoi? D'accord, je me suis pris... Oh, d'accord, il y avait un combat avec quelqu'un et moi en fait je me suis pris un travers. Je me suis pris une balle qui ne m'était pas destinée en gros si on résume l'idée. Oh. Je suis carrément pour la vandale. Et bah j'ai carrément... Là en tirant j'étais un bot. Hein. J'étais un vieux con. Il s'est cru lui. Non, c'était pas le bon rush que je voulais faire là. Oh, tu fais chier. On va prendre la spectre. J'ai un meilleur feeling avec la spectre. Alors non, Panty serait temps de mourir. Ah
Ouais, désolé, mais non. Désolé, mais non. Je me suis fait bait par un bot. En gros, le perso, il envoie un faux lui. Et moi, bah, j'ai tiré sur le faux lui. Salut, XF. Il s'est cru avec sa batteuse de merde. Il s'attendait pas à me voir là, lui. On est presque sur un ace. Et on a raté. On a raté. Ouais. XF, un problème de son ou quoi? Je sais pas, je m'inquiète. Trop bas, oh le bâtard. D'accord. J'ai bien fait de m'inquiéter. Non, là t'as vu, on vise de plus en plus haut. Parce qu'on est de plus en plus chaud, carrément. Ah, y'a un mec qui est venu derrière. Pas bien joué, hein, gros. Il est con, lui. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux aller dans le spawn ennemi, mais tu vois que plus tu t'approches, plus ça devient clairement dangereux. Dommage. Il m'a envoyé une flash. Après c'est bien XF, si jamais je suis trop bas, je comprends, faut m'engueuler. Parce que je suis en constante recherche d'amélioration. J'ai carrément raté. Vas-y, on va prendre ça. Bah attends, j'ai une grosse machine et ça marche pas. Bon, ça va, voilà, on a pu shooter. Et maintenant, on va aller faire la partie. En fait, c'est ça, Valorant, faut que je lance le live quand mon PC s'allume. Parce que moi, là, le PC, il est un peu au début. Il se dit, oh, ça va, tu viens de m'allumer, on est chill, on est bien. Hop là. Du coup, on va pouvoir lancer une petite game. Et on va voir ce que ça donne. Surtout que là, c'est pas un défi, on va dire, mais c'est une game. Ça veut dire que... Et après, on va taffer. Mais ça veut dire que soit je vous propose une game qui se passe bien, soit je vous propose une game éclatée au sol. Ça va être un petit peu du hasard. On est sur Pierre, là. Une map que... je dirais ça va. Ah, il a le seum parce que j'ai pris Jet. Crazy, il s'appelle. C'est lui, il a trop le seum. Et là, on a un dueliste, deux duellistes, trois duellistes. Let's go. En gros, regardez. On va mute les gens. Je mute les gens. on va mute tout de suite. Là, on choisit nos persos. Vous les voyez pas tous sur live, mais par exemple, la Néon, elle a un rond avec une croix. Ça, c'est un dueliste. Moi aussi, je suis un dueliste. Et on a un troisième dueliste. Et là, le dernier est en train de choisir. Et on aura peut-être quatre duelistes. Sauf que les duelistes, c'est des classes de personnages, en gros, qui sont très dans l'attaque. Et bien sûr, pour avoir une bonne équipe, il vaut mieux avoir un entre deux, tu vois. Des duelistes, des contrôleurs, des initiateurs, des sentinelles. Et c'est les quatre classes. Sentinelle, initiateur, contrôleur, dueliste. Et du coup, on a un... Ah, il est même pas sûr en haut. Lui, il est sentinelle, qu'il joye. Et sinon, on a dueliste, 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 dueliste.
Let's go! Ah non, du coup c'est Sentinelle quand même, mais en Sage. À 360 degrés. Non, t'inquiète, je suis assez haut. Je m'inquiète pas. Oui, ça va, c'est ça, faut savoir équilibrer. Après, là, on n'est pas en ranked. Là, on est en partie non classée juste pour s'amuser. Et moi, tu vois, je joue ma jet, je réfléchis pas. Mais par contre, et ça, j'aimerais bien qu'on arrive. Si un jour, je pense, on peut en faire en live, ça serait cool. J'ai les potes, justement, qui se sont mis à Valorant. Et ils montent de niveau, mais moi, je suis passé niveau 20, je peux enfin faire des ranked. Et ça serait trop cool d'arriver à faire des bonnes games. Où, genre, on est 5. En vocal, on est équilibré, on fait pas de D5 duelistes et on arrive à jouer ensemble. C'est genre un qui flash, l'autre qui attaque et ça peut faire des combos, mais genre trop stylé. Mais qui résume Valorant à trop stylé. Mais bon, pour l'instant, c'est l'entraînement solo où on essaye de faire des bonnes games avec Majet. En face, ils ont un niveau 32, 7, 44 et 2 qui sont masqués. Et nous, on a 99, 23, 19, moins 22 et 55. Ok. Ok, ça marche. On va bien voir. On va bien voir ce que ça donne. Oh, dommage, j'étais pas en stream. Cet après-midi, j'ai joué un moment avec Dragounet. Et on a fait une game, justement, il y avait un gars qui arrêtait pas de parler en vocal. Mais c'était un gamin, hein. Il avait une voix vraiment de 13 ans. Sauf qu'en fait, il voulait lead le groupe. Et il disait par exemple « Please, go A, go A !» Et moi, je lui disais « No, don't we go B, because all enemies are A. » En gros, toute l'équipe adverse n'arrêtait pas de spam le A. Et du coup, moi, j'étais en mode « C'est mignon de vouloir aller A, on va pas A, on va B. » Mais lui, il voulait tout le temps aller A. Mais l'ennemi, il défendait tout le temps A. Mais si l'ennemi défend tout le temps A, bah toi, tu vas sur B. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît logique. Après, c'est que moi. Et d'ailleurs, peu importe comment se passe la game, là, on commence en attaque. On va essayer d'avoir cette stratégie, ce truc de... On va essayer de comprendre comment fonctionne l'adversaire. L'adversaire qui a un caillou, une jet, une omen, une fail et une sage. Sage, tout en haut, c'est la soigneuse. Du coup, elle met des murs. Fade, je sais plus ce qu'elle fait. Voilà, fin de la présentation. Non, sage, elle... Fade plutôt, elle a des trucs qui reveal. Omen, il a des smokes et des téléporteurs. Jet, c'est moi, j'ai beaucoup de déplacements en mode let's go. En vrai, on va remettre le chat vocal juste pour voir ce qu'il raconte. Et Kayo, il flash et c'est un robot. Je sais plus exactement ce qu'il fait. C'est celui qui est tout en haut à gauche dans l'équipe adverse. Non, finalement, c'était bien de les avoir mutes, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ils voulaient se battre, ils voulaient faire une Call of Duty. Ah, on peut pas utiliser pendant. Ouais, j'ai fini de faire défoncer moi par ça. Pourquoi y'a rien qui passe par contre là? Je suis un peu déçu, tu vois. Mais attends, mais les gars, je tire et... Là, 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 là. Là, on y va discrètement. AFK, apparemment. Oui, c'était super intéressant ce qu'il racontait. Hein. Bah, effectivement, c'est AFK. Du coup, j'ai gagné. Let's go! C'est grâce à moi. J'aime bien. C'est toi, Capi? Capi, il fait chier pour le premier shoot, je m'en fous. Hein. En attendant, tu sais, il y a un truc aussi qui me fait délirer dans Valo, c'est que des gens, les gens sont aigris, la plupart, les gens, ils adorent critiquer.
Et par exemple, là, Jean-Michel, il critique le juste parce que tu sais, j'ai mis mon curseur, d'ailleurs, la tête aurait dû être mise. Et il est en mode, hé mec, t'as raté ton premier tir. Bah, toi, t'étais mort. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je suis en mode, si tu compares, t'as pas à critiquer, toi, t'étais mort. Ok, bah écoute, ça s'est plutôt bien passé, hein. Oh, t'es de retour de tes vacances, ça s'est bien passé. Vas-y, je vais économiser un round, parce que du coup là j'ai une écho à 4500. Et je vais... Il m'énerve Capi, il a un souci avec moi. Pour l'instant Capi, t'as un kill. Hein. Regardez, il écrit XD dans le chat, je ne comprends pas. Tu veux quoi? Regarde, je vais te mettre ça. Ça te plaît? T'es heureux? Non, t'es pas heureux. This face is amazing. C'est bien, Capi. Je suis pas une e-girl, poteau. Let's go. Let's go. Oula, oula, oula. Ici. Ah, je suis trop deg. Ça aurait pu passer, mais... Rien n'est passé. Malgré mon intoxication alimentaire, j'ai même rencontré quelqu'un. Oh, cool. Quelqu'un que tu veux, à qui tu parles encore. Les gens aiment trop critiquer, la critique est facile. C'est comme sur le net. Oh, il a trop de chat. Sur le net, il y a beaucoup de fois où par exemple des gens vont montrer des créations, des trucs, ou tu sais, ils vont montrer quelque chose. Et au lieu de dire oh, c'est sympa, donner ton avis, les gens vont juste dire ah, mais là il y a un problème, mais là fallait pas faire ça comme ça. Et ça, je trouve ça ouf quand même. Il y a une tendance à vouloir dire juste le négatif. Alors que ça coûte rien de mettre un commentaire en mode j'ai aimé le contenu, tu vois, genre. Tu peux faire une bête de vidéo qui fait une heure par exemple. Et tu rates un plan, et le gars il va dire hey, d'ailleurs, cool la vidéo, mais là le plan à 15 minutes il était dégueulasse. Je sais pas si vous y avez l'idée. Bon, la game elle est comme elle est, mais. C'est juste une giga baston ce qui est en train de se produire. Là c'est moi qui prends, j'ai trop le seum. J'ai tapé un coup sur la jet. Elle a claqué son ult, mais... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette game? C'est Call of Duty. Ah, c'est ton frère qui l'a rencontré et toi tu as chopé la discute. Ah, c'est marrant. C'est marrant le concept. Il est où le robot? C'est important la positivité. Ah, il est dans le spawn, d'accord. On va suivre Crazy. Notre néon. Moi j'ai entendu du bruit à droite. Hein. Elle fait trop de bruit quand elle court, par contre c'est insupportable. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, t'envoies ton frère en opérage, j'aime bien. Vas-y, je veux partir par mine, moi. Oui, j'ai dit une game. Mais du coup, ça va être une game assez random. Après, qui sait, ça se trouve, ils vont se réveiller, mais là, ils sont plus 4 en plus. Ça va être une facile win, et ensuite, on va aller taffer. Mais au moins ça détend, tu vois, avant d'aller taffer.
Non mais par contre faut prendre un moment, faut prendre un moment, vraiment. J'ai trop deg, attends. Il a pas plus ses balles. Bon, je rigole, c'est moi qui a raté, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et Willy Cano, we are on live pour une petite game de Valorant qui se passe comme elle se passe, et ensuite on va aller taffer. Et une pub en plus, incroyable. C'est incroyable, Samoni. Bah oui, en gros, là, ils ont fait une réédition. Et du coup, est-ce que c'est une vraie game? On a joué 4 manches. C'est normal d'avoir des moments négatifs. Ça part en safe zone là, ça improvise. 4-2, non mais c'est pas une partie ça. Hey, si vous m'excuserez, ça c'était pas une partie. On a mis 5 manches, on a joué 5 manches. C'est 13 manches une partie. Ils ont rage quit, ouais, ouais. Après, en vrai, ça je trouve ça pratique, on va dire. Parce que tu sais, ça permet ces 13 manches gagnante, mais ça permet au moins, si vraiment tu sais, genre il n'y a pas de moyen, enfin si tu sais, si une équipe roule sur l'autre et que c'est insupportable, tu peux dire en gros on abandonne, si on arrête. Moi je trouve que l'idée elle est pas mal, mais pas dans toutes les situations. Ça pique jet instant. Hello team. Hello. Bon, espérons que cette fois-ci, allez. Pourquoi vous voulez jouer tous les pourquoi? Ça a vraiment full dualiste. Non, et là c'est trop. Mais attends, mais le pire c'est que j'ai pas le voyeur. Mais bon, puisqu'il a des flashs, ça risque d'être simple. Ah, c'est gaulerie. On est que des dualistes. Il a des flashs, logiquement, c'est. On est que des dualistes. On va faire que des games terrifiantes. Vous allez voir la gueule des games. Merci, Comrouge. 29e mois. Ça fait. Beaucoup là, non? Eux, le mois prochain, c'est les 2 ans et demi et le badge des vieux et de la nostalgie. T'auras le badge des vieux, Théma, tu vas avoir une barbe le mois prochain. Bon, du coup, on est tombé avec un lobby avec au moins un français et que des duellistes. En gros, là, on est que des persos qui tapent. Ça va juste être de l'agression. T'as hâte de voir la gueule de Pone, tu vas rigoler, hein. La version finale, la version rattrapage, tu l'appelles comme ça. La version. En fait, ça sera la version. Non, ce sera la version de Pone et la mienne, Pone. Au final, Pone va devenir la Director Scott, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hein. Voilà, voilà, voilà. Parce que pourquoi pas, après tout, être des duellistes. Et en face, c'est quoi? En face, on a un duelliste avec Reyna, deux duellistes avec Jett, initiateur avec Sova, sentinelle et sentinelle. Ok, deux sentinelles, un initiateur et deux duellistes. En gros, les duellistes, c'est les gars qui se bastonnent. Les initiateurs, c'est ceux, en gros, qui, comme leur nom l'indique un peu, ils initient l'action. Ils envoient des flashs, ils prennent des informations, ils initient le truc. Les contrôleurs, c'est ceux qui ont des smokes, ou des trucs pour pouvoir bloquer des entrées, check des entrées et tout, c'est du coup ils contrôlent. Vraiment les noms sont plutôt bien choisis. Hein. Et les sentinelles, c'est ceux qui posent par exemple des sentinelles, ou toutes sortes de trucs, genre des murs, ils posent des trucs. C'est vraiment le pire résumé que je peux faire des persos. Faudrait que je vérifie qu'ils sont sentinelles, attends, pour vraiment mieux comprendre juste ce truc de sentinelle. Une Director Scott, en gros, c'est une version alternative vision de l'auteur. Sentinelle. Valorant. Sentinelle. Sage, c'est une sentinelle. Killjoy, c'est une sentinelle. Cypher, c'est un sentinelle. Ouais, c'est des gars, en gros, qui posent du matos. Ils posent du matos. Là où un contrôleur, lui, va plutôt poser du matos, mais qui va bloquer des entrées, tu vois. Ouais, c'est ça. De toute façon, moi je suis dueliste. Moi je tape dans le tas. Par contre, il y a un niveau 165 et quelques en face, ça va être un peu la galère. Du coup, on est en défense avec 5 duelistes. Vas-y! Tout va bien se passer, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. J'ai peur de la game. Je vais être très honnête, hein, j'ai peur de la game. Hein. Je surveille ici. Lui prend la ligne avec moi, run and gun. Run and gun. Ton pseudo est pourri. Je suis désolé, mon ref. Je suis déjà là, pourquoi tu viens là? On a laissé un mec sur B. Bonne soirée, Mouni, et au plaisir de te revoir dans la soirée. Parce qu'on risque de live jusqu'à minuit max. Après, pour taffer.
Guys, help me, help me, help me. On arrive. Il y a les 5 gars sur lui. Ok, j'ai un duel. T'es caté mon ref, j'arrive. C'est un lobby de fer, je suis mort. J'ai rien à dire. Non, elle est tower. Elle est tower, c'est quoi tower? Ok, ça se passe plutôt bien en dueliste. Ça se passe plutôt bien. Good Omen, c'est un perso de... C'est un perso de Valo, man. Voilà. Vas-y, je vais renforcer B avec lui. Putain, la game de la game est que des duellistes. On est que des gars qui vont dans le tas. Vas-y, ma gueule. Ah, mais du coup, on a beaucoup renforcé B parce que du coup, on a deux types sur B. Ok man, ok. Ok man. Ok, techniquement il peut pas rotate. Non mais moi je peux rotate. C'est bon, on gagne tes duels, Gaëtan. Good job, Jet. J'ai plus de charge. Dernier joueur en vie. Ça se passe bien. Ok, là en gros, je suis pas allé chercher le duel parce que j'étais beaucoup trop en retard. Et du coup, le max que je pouvais faire, c'était save mon arme qui me permet de faire une économie pour la prochaine. Voilà. Parce qu'en fait, c'était fallait que je prenne deux duels et que je désamorce. Et le truc qui faisait bip 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 dessus en comparaison au temps de jeu, je veux dire. Ouais, mais je lag en live, tu comprends? Nikano il est tout drift, il veut sa dose de Valo lui aussi en fait. Désolé ma poule. T'as quoi comme arme? J'aime bien ce que tu me proposes. C'est cool ça. Oh, ça utilise la porte. Ok. Ok. Fin. J'aime bien. Ouais, c'est mieux. Après là, ça lag pas. Pour l'instant, vous m'avez pas fait. J'ai pas vu dans le chat et dans mon retour, ça a l'air de pas laguer. Mais je crois que vraiment, en fait, c'est. Mon PC est pas mal, tu vois. Mais quand ça fait des heures qu'il est allumé, il commence à me dire. Mon ref, calme-toi. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Pardonnez. Non mais j'essaierai de vous faire en plus des valos. Même en journée ou en soirée quand on se fait des sessions. Mais ce que je disais un peu tout à l'heure aussi, c'est que j'aimerais trop, quand on fera de la renquête sérieuse avec les potes, vous faire des bonnes games, genre. Parce que pour l'instant, je sais pas si vous les avez vu passer, je mets des... Oh, oh my god. Pardon. Mais moi je suis choqué. La deadlock, là, elle a... Non, non, oui, oui. Ici. Ok, il y a la sage. Je sais plus ce que je voulais raconter, voilà, mais... Là, oui, je mets des clips... Je mets des clips, voilà, sur Discord.
C'était l'information. Apprendre ou à laisser, vous en faites ce que vous voulez. Oh, t'es trop con. Vas-y, ma couillasse. Je sais pas si vous avez capté que je savais qu'elle était là. C'est quoi ça? C'est un spectre? Moi, j'ai récupéré une fantôme. En fait, quand je suis parti, je me disais, il y a un gars sur, il y a un gars sur objectif parce qu'ils ont posé du coup. Et le deuxième, je savais qu'elle était là parce qu'elle avait jeté ses sorts. En fait, les trucs que j'ai vu par terre avant de partir, c'était les sorts de la meuf Sage. Et du coup, moi, dans ma tête, c'était, il y a de grandes chances qu'elle essaye de nous contourner justement par là. Le premier, je lui ai mis du sale. Le premier, il a eu le droit à un shoot. Et là, c'est cool parce que ça me permet de faire une écho. Moi je suis une salope de toute façon, moi je suis le genre de perso qui... Let's go! On y croit ou pas? Faut toujours y croire, dans la vie. Oh le timing. J'ai check à droite et le gars il arrive devant. Il s'est donc rien passé. Allez, let's go. On va sortir la Vandale. Regardez ma belle Vandale. Ouais, l'addiction est peut-être partie un peu loin. Vous avez vu ma jolie Vandale? Elle est belle, hein, ma Vandale. Hein. Ouais, elle est jolie, hein. Dites qu'elle est jolie, elle m'a quand même coûté cher. Hein. Ah, mais je me dis, bah, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. J'ai pas compris non plus. Moi non plus. En fait, je sais pas trop dire, là. Il a raconté quoi, lui, là? Je crois qu'il voulait mon skin de Vandale. Trop con son. Where? Oh, it's B. Ouais, je pense B. Bah là, ça plante. Allez, on va essayer de jouer notre jet agressif. Ça fait partie du jeu, tu vois, mais checker chaque putain de recoin, c'est hyper long. Ah c'est bon, tu meurs, il m'a saoulé gros. Oh là 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 là, laisse-moi me barrer. Moi je me barre. Hein. C'est plus mon combat. Hein. C'est bon, c'est plus mon combat. Hein. Il m'a flash, l'allié il m'a flash. Dommage, ça s'est pas mal passé. Mais là, là ça, c'est un. Oh, j'allais dire c'est un mauvais début de game. C'est juste pour. Voilà, attendez. Ah waouh, c'est beau. Vas-y, je vais prendre là. En fait, j'arrive pas assez à lire le jeu de l'adversaire et. Non mais gros, non, non. Vas-y, surveille. Moi je vais là, y a pas de souci. Ça marche. Mon ult, no ils sont là. Et j'attends. Il y a l'autre. Ta gueule, Luffy. Why not? Not everyone understands French. I mean. On est trois français, ratio. I can understand that a little bit. Mais ouais, trois français qui vivent depuis. Ici. Oui, tu es French. Phoenix, il me Phoenix. Voilà, ça passe quand même. Phoenix, il me Phoenix.
Il me, please. Mais c'est... Thank you. Les Français, c'est... Soit c'est des gros rageux sur les jeux, soit c'est des gros trolls. Je mange une baguette avec... Tu peux voir ta mandale, s'il te plaît, Jet. Je te bite. Vas-y, ça marche. Why are you eating a baguette? Parce que j'aime le baguette. Si je voulais juste mon skin. Bah, t'as raison. Me fume. Avec fromage. Et on se le met où, le fromage? Pardon? On se le met où, le fromage? Là, c'est... C'est dur entre deux. Je ne comprends pas. Ah, I say the cheese on your ass. Ils sont broken, gros. C'est très... Il cherche ses mots. Vas-y, mon plein. Comment je suis le... Ferme ta gueule, connard. Excusez-moi de ça, je vais lire ce que vous racontez, mais... C'est moi juste le temps de push cette merde. Ok, spy posé au B. Pas de fuite possible. Vas-y, pas de fuite possible, y'a pas de soucis mon pote. Je recharge. Allez. Miss Pop. Oh, jolie celle-là. GG. Elle est pas améliorée. Ah, je vas-y. Je te baille. Bien game. Ah, merci. Ça marche. Non. Vous connaissez le plan, faites ce que vous avez à faire et écrasons-les. Oh merde. Attends, ça m'a fermé. Demande, vas-y. What? Non mais tu l'as récupéré, je crois que c'est le Phoenix qui l'a chopé. Je demande le français. Phoenix, give me my Vandal. Je comprends rien, y'a un mec qui me gueule dans les oreilles. Give me my Vandal. Give me Miss Vandal, thank you. You say what? J'ai besoin d'une arme, merci. Je demande le français dans le corps. Ouais, c'est... Ok. How do you say French? Demande à ce que tu fermes ta gueule. How do you say what? Learn. Il l'a tabassé. Oui. Bah j'en ai aucune idée. Ça c'est fixe. La coche sortie. Bah you know French is not good with English. C'est sur B. Ouais. Voilà, pouvoir faire une game avec notre... Ouais, les ranked, si tu veux, bah faudra forcément que tu sois niveau 20, mais sinon, normal, on peut en faire tranquille. Hein. Hey, it's A. I say A all the time. Ah merde, j'ai dit un mauvais... Non, ils sont partout. Ok, ils sont partout à la fois, ça marche. J'ai toujours des choses qui arrivent. Ouais, on est un entre deux. On est les best et les pires. Après, ça dépend. Parce qu'il y a des... Non, je suis désolé, il y a des commis. Les Espagnols et les Russes, quand ils sont énervés sur les jeux... Bah, sur Valo, par exemple, quand tu les entends, t'as juste en train... Tu veux pas les entendre, en fait. Les Anglais, après, quand je dis Anglais, ceux qui parlent anglais, mais il y en a plein, c'est un peu de l'entre-deux. Bien joué, ça, Goto Iron. Enfin, j'ai tout mis à côté, moi, comme un gros gogol. Wesh, Luffy, il a une voix de kid ou quoi, ou ça se passe comment? Doing great job. Je te l'avais dit. Mais c'est pas ZB, qu'est-ce qu'il fout? Save man, take the upper save. On save. Ah d'accord. Ah surtout les Espagnols quand ils sont vraiment bien énervés, ils ont tel le truc très cliché qui ressort. T'as l'impression qu'ils vont faire une danse en même temps que se vénère. Hein. Pardon. Ok, ils vont B, je prends un. Et t'as ta 8000. Il a 8000 cotoyeurs. Carrément, il veut pas acheter.
Allez, solide, solide. Ok, solide, c'est sur B. On va tenter un push de merde. Allez, go. Where are they, guys? I had a phone call to make. Oh non, je suis trop déçu. T'inquiète, on est ensemble, Jet, on est ensemble. Je suis grave déçu. J'aime aussi. Tu sais que, vraiment, vraiment, j'aurais vu sa tête. Je suis sûr que ta pauvre là. Tu le regardes, t'es en train de le filmer là. C'était un concours de regard de mode tu m'as pas vu. Je suis trop dingue, je suis trop dingue. Ah, c'était tragique là ce qui s'est produit. Hein. Vas-y, avec l'opérateur. Ouf. Continue l'école. La raise elle est gaulerie. La raise elle est un peu gaulerie. Plus jamais je fais la tyrolienne par contre. Plus jamais je fais la tyrolienne. Vous avez vu mon skin? Tu la sélectionnes et bam, bam. Bon, 5-5, c'est serré, mais tu vois, là c'est une vraie game, pas comme celle juste avant. Non, tu peux pas avoir une Vandal skin. La chasse commence. Vas-y, Jet, prends part derrière. Vas-y, je vais prendre part derrière. Vas-y, je pars derrière, c'est ma passion. Ouh là là. Goto Iron il s'est réveillé sur un jeu prendre par derrière. Les gars, Jet, ça arrive surtout, je pense. Oh, fais chier. Ouais. Ok, ils font des rotates trop bizarres, je comprends rien. J'aurais peut-être dû prendre juste une line. Je sais pas. Oh, le fils qui l'attente. Il va arriver par où? Le ref. Oh. Ah non, ça c'est dommage. Oh, elle a un petit temps d'invincibilité. Ah, c'est intéressant cette merde. Oh, bien joué ce travail. Nice. No, I'm very good. Ah, Luffy le... Faut que je monte au-dessus de Luffy dans le score. I was immortal 3 once. Yeah. Hey, what are you guys gonna do tonight? What's I am Raiden. Raiden. I'm sorry? To my friends, you know. Je suis dans un lobby de gens cassés. J'adore les noirs. Non. C'est pas moi Twitch, c'est un mec dans mon jeu. Are you guys from Belgium or from French? Bah à ton avis. Ici. Cherche. Okay. Belgium ou France? La France. Genre. I hate people that Yes, me too. Don't like the person. Hors de ma vie, c'est fils de pute. 10 HP, j'ai trop le seum, je me suis pris quoi là? I think they go. I got it covered. Let's go! T'inquiète, je couvre tes arrières. Oh my god, what do I do? Je l'ai mis 100. I just died. Ouais, mais toi aussi t'es. C'est galère là! C'est galère là! En vrai, ça va, 6-5. I just died. I couldn't do anything. What do you do when you're in it? I don't want to die. Je me les brand James, voilà. I'm saving. Good job. C'est la dernière, y'a pas de save. Ah mince! Non! Non mais t'inquiète. Valo c'est fini, Valo c'est Il parle beaucoup Luffy quand même.
J'avoue. Ouais, ah, ben, en même temps, il représente son pseudo un peu. Ils sont retard, ça me fume. How many hours do you think I need to wait for playing competitive? What? Grave d'accord. Pas compris, mais grave d'accord. How many hours do you think I have to wait before I can? Mais j'ai rien à foutre! La fée. Pas possible! Shut up! Oh là là là! Mais qu'est-ce que. J'en ai aucune idée de ce que tu racontes! 150 heures. Allez. Ah, c'est bizarre, je l'entends plus depuis des minutes. Excusez-moi, mais. On a un anglais qui raconte sa vie. Oh, comme c'est bizarre. Au secours, putain. De merde. Ah, c'est con ça quand même. 90 secondes. Getting double push. Jab bro push, someone is here. Dernier joueur en vie. Oh my god. Aïe. J'ai rien vu. Jab bro, what the fuck do you buy that gun your ass? Reina, you a boy? No. just no. Le... I hate French people. Yeah, oh, on l'a fait détester les Français. Oi. On a créé un antagoniste, il déteste les Français maintenant. Mais ferme ta gueule, ok. J'ai demandé une question, le mec il me fait un paragraphe. C'est pire qu'un prof de français. You instantly get mad. Mais ta mère, tu te prends pour le roi du monde. Oh le mec. C'est la première langue la plus parlée au monde. T'apprends pour Jésus. T'es pas Jésus, hein. Ta gueule. Oh, c'est un petit gun tout pourri. It looks so low, bro. Perfect. Ah, fais chier. J'avais plus de vie aussi. C'est la terre. Fuck you, man. Non, fuck you. Bien joué, go to Iron. Non, et pas Luffy. Fuck you. Merci. Il me fume. Ouais, j'avoue que c'est devenu un antagoniste, c'est normal. Il fait quoi? Oh, ça fait quoi si tu tombes dans le vide avec le spike? Je me pose des questions, moi. Luffy, are you an antagoniste? Non. Mais il a cru que c'était le main caractère, non, c'est pas possible. Mais gros, c'est un délire, parfois je... Faut que je m'améliore petit à petit, bien sûr, mais... Il y a des fois, genre là, pour moi c'était un duel gagné, mais je sais pas, il y a un truc qui était broken dans mon action et ça a pas voulu. Allez, réveille-toi. Faut bien finir cette game. Good job, my guy.
que 30 secondes. J'ai le spike. Je recharge. Y'a l'autre, il broute de l'herbe. Attends, le nom, on blesse. Oh, bien joué ça. C'est beau là ce qu'il nous a fait. Je suis la reine de l'artifice. La puissance de feu. Okay. Yo, can I get your Venom skin? Yo. What? Il veut ta vandale. bah non. No, you say French is suck. So no. Bro, that was just a kidding. No. Bro, you can't do that seriously. Yo, can I get your Venom skin? Yes, come on, get it. Please get it in, yes. Mon ref, t'es assez violent quand même, hein. Il veut ma vandale. Il se croit où? Oh, casse-toi, Reyna, tu me casses à la tête. Gros. Ok, non. Putain, voilà, ça me fait chier là. Bon, 11 PV, mais voilà. Moi... Ah. Ok, il y avait un spike, Reyna, au cas où. Hein. Mais il y a des fois, les gens ils oublient qu'il y a des spikes. Oh, je le prends. But do you admit that French people suck or not? Where are you from yet? I'm from France. Also I'm from Japan, man. Also French. And Phoenix, where are you from? Il est deck parce qu'on est français. Et Patrick il s'est fait fumer. Hop là. Bon, c'était un bon push, hein. Il force, lui. Qui ça qui force? Les canaux du moto. Guys, I have a funny joke. Why do the most car accidents happen when women are... No. When do the most car accidents happen when men are drunk? T'as compris quelque chose, Jet? Can you do the same in French? La chasse commence. Oui, c'est bon. Je me prends une balle pendant le dash? Ça, c'est légendaire. Il est marrant, notre Luffy, quand même. Pourquoi tous les accidents avec les voitures... Il le fait vraiment en français? Attends, c'est-à-dire quoi? Il a fait une pause, il est sur Google Trad, là? Mikey! Mikey. GG. Oh. Okay, why do most car accidents happen when men have when men are drunk? Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi? Because then they let their woman drive. Clap clap. You think it's fun? Ah, j'en peux plus de ce type.
I'm gonna kill this Reyna. J'en peux plus de ce type. Vas-y Reyna. Pas de fuite possible. Reyna a plus spawn. On s'en branle qu'elle a spawn, bro. Reyna, you have a snapshot? You have a snapshot? Yes. Bro, what the fuck? And you have a Facebook? Je t'ai mis. Let's go! My name isn't Luffy, so... Ils sont en train de demander les réseaux de Luffy, là. What, why? Just to know, just to know. Okay, so, did you find me? Do you know my name? What's my name? Jeff, can I get to the Venmo screen? So, buy me Vandals? Yes. J'ai besoin d'une arme. C'est bon, c'est devenu... Il va viser mieux, il a un skin. Il va viser mieux. Bah attends! D'où tu prends l'avantage, bro? Je suis triste, là. Je devais gagner ce truc. Meuf, meuf. Il gagne une fois. What the fuck, bro? What the fuck, bro? God, I'm so bad, man. Ça, on en parlait tout à l'heure. Il vient de dire, vous êtes nul. No, I'm just kidding. Just gonna have to... Go B, peut-être. Does anyone have an operator from... Oh, I know you have. Yeah, I have. If you give it, I will give you my Facebook account. Mais je veux pas son Facebook, gros. Je suis operator, operator, operator. Oh, I knew it, I knew it. Oh, no, no. Fuck! Gotta die, man. You just gotta die. Visiblement, à l'EB, il avait un peu la flamme. What the fuck, dude? Ah, you're just bad. Bro, you really suck, man. You just suck. Il a calé son... Elle était sur B. Bro, it's giving money to this game, like... Normalement, ils vont gagner. Normalement, c'est une win, parce que... Il y a très peu de chances qu'elle fasse un 1v3, tu vois. Ho ho ho, GG ça. Bien joué. Oh, elle était beau, à travers la smoke la dernière. En fait, la Jett, elle jouait bien en face, mais elle avait tendance à pas arrêter d'énoncer smoke. Es-tu une meuf? Ah non, si c'est une meuf, moi je suis un dromadaire. Hein. Voilà, ça c'était une vraie game. Là, on a fait une bonne game. Qui me fait passer en plus niveau 23, la dinguerie, waouh. Bof, bof. Du coup, on va pouvoir quitter Valorant pour se concentrer sur quelque chose qu'on appelle... Travailler. Eh ouais. Normalement là, c'était assez fluide, mais là l'image devrait revenir parce que du coup Valorant va s'arrêter. On va lancer de la musique de fond. On va aller prendre le Synthwave Boy, notre meilleur ami. Ah, nous sommes tous des dromadaires. Mince alors, je ne le savais pas. Hop, la petite musique. Je vais juste mettre un petit écran de pause et j'arrive, histoire d'aller aux toilettes, prendre de l'eau et on commence à taffer. A tout à l'heure. En plus, on n'utilise pas souvent l'écran de pause. Du coup, je reviens dans 2 minutes, même pas.
Oula, j'appuie sur tous les boutons. Re ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé ce petit écran de pause, tiens. Je vais juste envoyer un petit message. Du coup, on va aller taffer sur Pawn. Vous allez découvrir un petit peu plus de backup de ce truc. Vous allez essayer de découvrir ce que la version rattrapage va devenir, mais aussi découvrir comment a été fait ce projet, d'où il vient et compagnie. Parce que j'ai plein de petits trucs qui sont assez intéressants, on va dire. Faut que j'ouvre par contre mes dossiers. Tac, 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 tac. Ah, j'ai bien fermé derrière moi. Hop là. Un avis sur quoi, gomme rouge? On va du coup ouvrir le propos. Le projet qui est là. Dans mon petit disque. Cours, mémoire. Projet de fin d'année. Hop, on ouvre Pawn. On va ouvrir aussi l'After Effects. Et on va attaquer tout ça. J'ai des réactions sur jeux vidéo. Des gens auraient réagi à mon Nice. Les mates ils sont en carton. Oui, les mates ils sont clairement en carton sur mon Nice. Parce que genre, moi je suis rentré sur site et il y a personne qui m'avait suivi. Si jamais vous voyez le Nice, j'ai partagé sur le Discord. Hop là. Hop là. Du coup, bienvenue à tous. Je suis un jeune homme qui souhaite entrer dans la vie active, trouver un logement et trouver un emploi. Je suis quelqu'un de sérieux, je ne suis pas le genre de personne bordélique qui fait la fête. Message pour ma recherche d'appart. C'est cool. Tu dois faire une lettre de motivation pour rechercher un appart. J'ai pas trop le contexte, mais ouais, ça, je suis pas choqué, quoi. Oh, ça va, Guido, bienvenue. T'as raté Valorant, tu vois, toi, t'es plus occupé que Valorant, quoi, t'as capté. Non, mais du coup, là, on va taffer sur ça. Je vous présente Pawn. Du coup, ça c'est le dossier de prod qui est en fait un format de manga grand format. Et derrière, comme un manga, on va dire, on retrouve un quatrième de couverture avec un résumé du contenu. Maison de production qui est Gavid Édition. Et ensuite, on a blablabla. On a plein de pages. Ça, je vais aussi vous l'ouvrir parce que ça c'est enregistré dans InDesign. Ensuite, il y a des trucs que je vous ai montré tout à l'heure. Du genre, hop là. Du genre, ici, on a les storyboards. Où, du coup, chaque séquence a été dessinée, imaginée. Ici, on a le storyboard, qui est en gros le déroulé de l'épisode. Qu'est-ce qu'on raconte, quelle situation se passe, blablabli, blablabou. Et ça, c'est des trucs que j'aime bien, c'est des petits papiers de notes. Il y en a, vous comprendrez rien, en gros, c'est juste des notes de qu'est-ce que je dois faire. Ça pareil, c'est pas intéressant. Ça par contre c'est intéressant, c'est des recherches de logos par exemple. Voilà, là on est juste sur des recherches de logos pour Pawn. Des prototypes, des trucs au gribouillis, où je vois ce que ça donne. Une carte mentale. Avec des idées notées, rassemblées pour voir ce qu'on pouvait faire avec. Encore d'autres gribouillis. Le mec qui résume son truc, voilà, j'ai fait des gribouillis, pareil, là j'ai fait des concepts de logos. Pawn, voilà. C'est une édition collector limitée à 4 exemplaires. Ouais, il y a une version bouquin de Pawn. Regarde. Ça, c'est la version bouquin de Pawn. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Hop là. Non, mais du coup, on va aller s'ouvrir Premiere Pro. Ça, c'est le montage rendu, voilà. Et je vais déjà vous montrer la gueule que représente tout simplement le montage. Voilà, bienvenue sur notre petit logiciel que vous connaissez peut-être qui s'appelle Adobe Premiere Pro. Et là, si on dézoome tranquillement cette scène,
Voilà, du début à la fin. Ça, du coup, c'est Pawn qui représente ça. Et sur une timeline, grossièrement, l'image a été faite sur After. La plupart, du coup, l'image est là en haut. Et ensuite, ça, c'est le sound design. Bonjour. C'est toujours délire quand tu vois ça. Tu fais « Ah, bonjour, comment ça va ? Ça va et vous ? Ah, moi, ça va bien. » Là, je vais essayer de... Ah, c'est ça. Ouais, c'est cette touche-là. Voilà, avec cette touche-là, je peux tout réduire. Et là, je peux tout remonter. Voilà, grossièrement, ça, c'est le sound design de Pawn. Ça, c'est le bordel. Ouais, alors, non, Guitol, on a... Je vais pas rentrer dans ce débat. Ça va être bien plus simple. du coup ça c'est Pawn, et ensuite si tu vas sur After Effects, là on est sur After Effects, Pawn, attendez, je vais replacer la caméra, parce que du coup là notre caméra elle sera beaucoup plus intéressante, voilà, elle sera beaucoup plus intéressante là-haut, voilà, elle est même un peu mal placée, ok, non, ça va, tranquille, chill, on va la laisser là-haut. En gros, là on a plein de dossiers comme vous voyez sur le côté, mais si on va juste ranger les derniers trucs que j'avais pas rangés. On va ranger ça dans ressources, ressources, ça c'est des ressources, c'est des ressources aussi, c'est des ressources, ça c'est une composition, voilà. Et grossièrement, là c'est mes compos, tu vois, ça, tout ça. Et on rappelle, juste comme ça, je tiens juste à rappeler qu'en gros j'ai eu beaucoup de retours, dont un des retours qui disait « tu n'as pas beaucoup d'animation ». Je peux juste vous dire exactement, là j'ai 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, j'ai une quarantaine voilà, de scènes d'animation qui sont juste disposées juste ici. Et le petit mnémotechnique que j'ai, moi, c'est si j'appuie sur S, voilà, ça me sort les S, S5, S6, machin truc. Et en fait, on va pouvoir ressortir hop, un très très beau storyboard. C'est que là, par exemple, je vais vous chercher la S1/5. Ce serait plutôt dans le sens du coup, la 5/1. Et la 5/1, c'est celle-ci. Du coup, elle a été triée différemment, ça marche. Ouais, elle, c'est l'intro, je suis con. La 5/1, du coup, c'est la scène de... arrivée dans la librairie. Dis-moi si je me trompe, c'est ça, 5/1, c'est la scène d'arrivée dans la librairie. Et là, par exemple, du coup, on a cette scène qui est là toute seule, on va la foutre en un quart. Voilà, on a la scène de moi qui avance et qui passe à travers le truc voilà, qui rentre dans la librairie. Et ça, par exemple, c'est et comme toutes les scènes où il y a des rajouts, elles sont toutes faites indépendamment, je travaille sur chaque scène indépendamment. Et si je vous donne un exemple en action de qu'est-ce que ça donne, cette scène, je suis passé par plusieurs étapes. Déjà, on va aller dans cette compo où à l'intérieur, en gros, on a que... on a que la scène... Est-ce qu'elle a un effet par-dessus? Non, elle n'a pas d'effet. Voilà, déjà, je vais vous montrer le premier problème qu'on a, on va dire. Faisons un petit rendu, juste pour vous faire comprendre. Là, je vous prends un exemple de scène pour que vous compreniez... Salut Maxence, d'ailleurs. Ça va? Et toi? Pour que vous compreniez à peu près, par exemple, par quoi j'ai dû passer. Tu profites bien de tes vacances? Voilà, là, ça, vous le voyez pas, mais c'est filmé à la suite, c'est vraiment, je rentre et je sors. Tac, voilà. Et là, par exemple, vous allez voir par quoi je suis passé, là, vous voyez que le plan n'est pas stable. Il bouge un peu, et ensuite, c'était Kozo, que vous connaissez, à la caméra, mais c'est après, c'est normal, hein. Il a mal réussi son travelling. Vous allez voir que le travelling est un peu... Voilà. Voilà, le travelling galère et ça bouge. Et du coup, premièrement, tu fais quoi? Tu passes ta scène à... du coup, on va pouvoir la lire toute seule. Ta scène, tu la passes... Hop là. À ce qu'on appelle un stabilisateur. C'est un effet qui va te stabiliser... Il a eu du mal, il était comme ça. ok, ça va enregistrer. Mais du coup, d'abord, tu stabilises ta scène, histoire que ton truc soit fluide. Et je vais voir si j'arrive à vous trouver un exemple de stabilisation.
J'ai plein de trucs dans mes dossiers. Déjà, j'ai ça, par exemple. Sur toute la vidéo, si vous savez pas, ça, c'est, par exemple, ça, c'est le rendu image de base. Et ça, c'est le rendu que vous avez dans la vidéo. Et j'ai quelqu'un, plusieurs personnes qui m'ont dit, par exemple, ouais, on voit pas que t'as fait des changements. En fait, il n'y avait pas le comparatif. Mais là, avec le comparatif, je suis désolé, hein. Ça se voit quand même qu'il y a une... Ça se voit. Hey, je suis désolé, ça se voit qu'il y a quelque chose qui change. Et là, vous voulez rigoler? Je vais vous montrer les tests. Il y a eu différents tests où vous allez pouvoir rigoler. On a premièrement ça, qui est, je crois, le plan de base, hein, si je dis pas de conneries. Ensuite, on a eu ça, peut-être un petit peu trop prononcé. On a eu ça aussi. Bah, bref, on a eu plein de trucs. Voilà, on a eu des tests, vous voyez, en gros, avec des ajouts de un peu de trucs qui brillent pour faire un néon futuriste. Après, on a eu des trucs où plus c'était dans le contraste. Mais je voulais ce ton bleuté, et du coup, je me suis arrêté sur ça, sur ce ton bleuté. Ensuite, j'ai aussi des tests de rendu, je vais pouvoir vous montrer des trucs. Ça, vous allez pouvoir rigoler. Elle, je l'aime trop, parce que je trouve qu'elle fait pro, enfin, qu'elle peps. Mais je vais vous montrer un test de vignette. Rigolez, vous avez le droit. Voilà. Mais après, je la prends vraiment comme un test, parce qu'en fait, c'était une vignette en mode, je mets plein d'éléments, je vois tout ce qui est possible. Et après, en fait, je me suis basé de la première pour ensuite faire la version beaucoup plus clean, beaucoup plus propre, beaucoup plus... on met le strict nécessaire, on met le logo. Et la deuxième, elle met une vitesse à la première. Je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. Hein. et après, j'ai plein de rendus que je vais pouvoir vous montrer parce que ça peut être toujours intéressant. Mais tout d'abord, du coup, on a la scène qui est là. La scène... Voilà. Du coup, là, la scène... On va couper le son temporairement. Là, la scène est passée... au stabilisateur. Et là, comme vous voyez, le stabilisateur, ça ne bouge pas, et le traveling est cool. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, première étape est réussie. Ensuite, ce qu'il faut faire, parce que c'est pas rien non plus, c'est que, comme vous voyez, la scène, elle monte. Et même, c'est stable, mais on sait jamais. Du coup, tu fais ce qu'on appelle un suivi de caméra 3D. Tu fais pas une stabilisation, là, tu fais un suivi de caméra 3D qui va te générer ça. Et du coup, tu peux mettre en intégrale. Et en gros, si vous comprenez, c'est des points qui sont captés dans l'image et qui suivent le mouvement, comme vous voyez. Et une fois que vous avez suivi un mouvement, par exemple, c'est ce que j'ai fait pour mon texte. Vous sélectionnez, et j'ai utilisé ça dans plein de scènes. Vous sélectionnez une zone, par exemple, là, vous faites créer solide et caméra. Et une fois que vous avez fait ça, ça va vous créer ça. Là où vous avez choisi un solide. Ou par exemple, si j'affiche la scène et le solide, vous allez voir que le solide est sur le mur. Et que quand le travelling se fait, le solide reste sur le mur. Et c'est ça qui est important. C'est trop compliqué. Bah, en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que qu'on soit intéressé, passionné ou pas du tout, ça permet de voir un peu quand même le travail qu'il y a. Parce que là, par exemple, on est juste sur une putain de scène qui dure 2 secondes, où juste je rentre dans la librairie. Version clic YouTube. Des rageaux, c'est des rageaux, mes profs. J'aime beaucoup cette expression. Et là, vous comprenez le concept, du coup. C'est que là, du coup, la position est respectée. Et du coup, en fait, après, je copie les données de position du solide pour les mettre sur notre fameux texte. Non, raté, c'est pas mon texte. Le texte qui est là, voilà. Mon texte qui est là. Et mon texte, à la base, il est complètement visible. Et en fait, ce qui se passe dans la scène, vous l'avez vu, c'est que quand moi, je passe dessus, ça fait disparaître. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû me dédoubler. Ou là, vous voyez que je suis rotoscopé. Ta-ta-ta. Voilà, c'est moi tout seul. Oh, je me suis barré de scène, merde. Ok, c'est bon. Voilà. Je suis là, je suis tranquille, je marche. Et en fait, après, tout simplement, j'ai ce qu'on appelle un masque. Voilà, là, on peut le voir. J'ai en fait un masque qui va suivre. Vous voyez, il suit mon tracement. Et en fait, le masque est défini en... Dès qu'il englobe, dès que le texte fait partie du masque, le texte n'est plus apparent. Et du coup, voilà ce que ça donne après. En marchant, ça disparaît. Et je trouve que l'effet est très, très clean. Et ça, c'était pour un exemple de scène. Je peux vous en montrer une autre qui est un peu beaucoup galère à faire. Mais déjà, ce qu'on va faire, c'est on va enregistrer... Alors, Maxence, oui, techniquement, j'aurais pu faire sans le tracé de position. En fait, à la base, l'idée que j'avais de base, c'était juste le texte est sur la vitrine et reste sur la vitrine. Mais du coup, j'avais besoin, en fait, de mon travelling. Sauf qu'ensuite, quand j'ai vu que je passais devant, je me suis dit, bah, je peux me faire disparaître, tu vois. C'est arrivé après. En fait, l'idée de base, c'était du tracking, et c'est pour ça que quand même j'ai parlé du tracking.
à faire. Ah, mauvaise caméra. On va juste faire un petit enregistrement. Non. Pourquoi PSD ? Attendez. Enregistrer sous. Il me faut une copie en fait. Enregistrer sous. Voilà, After Effects. On va l'appeler du coup 59 bonne rattrapage. Ouais, mais ce que dit Crazy, de mon point de vue, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il donne aussi pas mal son feeling, sa technique. Il y a des trucs qu'il explique, pas très bien, je trouve. Je vais donner un exemple en fait très simple que moi j'utilise énormément dans Première. Et dans sa vidéo, il dit les termes, il dit ça, ça sert à rien. Et je suis en mode bah si, ça sert. En gros, t'es là, t'es sur After, tu vois. T'es sur Première Pro. Et t'as ici ce qu'on appelle un chutier. Là, c'est le chutier où en gros, t'as tout qui est rangé, tu vois. Moi, j'ai mes rushs. Et lui, il dit que ça, ça sert à rien. Que là, le chutier, il sert à rien. Et qu'en gros, tu prends ton rush, tu le mets là. Sauf qu'en fait, non. Parce que imagine, là, je vais mettre un plan à la suite qui part de là. Moi, je l'ouvre dans la prévue. On l'ouvre là, tu regardes ce que ça donne, et par exemple, t'as pas besoin de tout, t'as juste besoin de là, ce plan là avec l'oiseau. Du coup tu fais quoi? Tu fais image par image, t'arrives là, hop, première image, t'arrives à la fin du plan, voilà, dernière image, tu bloques, et ensuite par exemple t'importes que l'image, et là, du coup dans ton montage, t'auras que l'image que t'as sélectionnée. Et entre guillemets, il défendait ça en disant, oui mais si ton plan fait 10 secondes ça va, oui, mais si par exemple t'as un rush de 10 minutes, tu vas chercher ta petite séquence et hop, tu le mets. Et j'ai ça avec, par exemple, le prochain, parce que si on va chercher les rushs de tournage, rigoler un peu, hein, ça ressemble à ça. Hein. Bon, là, c'était un rush test, en fait, pour voir le cadrage. Cortolis des mangas. Dis donc Gaëtan, hier je suis passé en librairie pour acheter des mangas et je me suis fait une réflexion. Ça fait des années que j'achète des mangas, mais... Vous découvrez des trucs, hein. Et là par exemple le plan fait 3:50 et pendant 3 minutes 50 bah, on teste l'intro, on fait des rushs de l'intro et moi au montage bah, je récupère juste ce qui m'intéresse et voilà. Bref, retournons sur After. Où c'est bon, le projet enregistré. Du coup, je vais pouvoir tout fermer et aller vous chercher ce qui m'intéresse. Voilà. Tac, tac. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, ça va être la 5. La 5-5. 5-5 qui est une des scènes les plus compliquées que j'ai dû faire. C'est celle-là. Parce que elle, par exemple, en gros, à la base, bah, c'est pareil. C'est un plan qui est pas très stable. Sur lequel j'ai stabilisé, c'est ce plan-là. Non, c'est pas celui-là, visiblement, c'est celui-là. Voilà, c'est ce plan-là d'un manga. Et déjà, je l'ai stabilisé. Voilà, c'est ce joli plan de manga. Et ensuite, en fait, moi, ma volonté, c'était de foutre le graphe par-dessus. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traqué. Pareil, on a des points de tracking tout le long. Et ensuite, j'ai positionné mon graphe. Mais mon graphe, il est dans un autre projet. Il est dans une autre compo, juste là. Et c'est tellement grand que ça bug. Ah, c'est des vidéos de gameplay. Voilà, et grossièrement, le graphe, en fait, il est là. Mais j'ai l'impression que là, il a un peu la flamme. Ah non, c'est bon, ça charge. Ah, c'est là. Bon, bref, le graphe, il est là. voilà. Et je vais juste, du coup, avant qu'on commence vraiment à taffer, vous montrer les rendus, pour vous montrer un peu des étapes, des trucs, la gueule que ça a pu avoir. Alors, on va commencer avec le premier rendu. Par exemple, ça, c'était la première gueule de l'intro, Pun. Il y avait une volonté de trame, au fond. Dis donc, Gaëtan. Hier, je suis passé à la librairie et j'ai une petite réflexion. Tu sais, ça fait des années que j'achète des mangas, mais t'as pas trouvé que la rayure a augmenté? Je trouve qu'ils prennent de plus en plus de... Là, par exemple, c'était des premières bandes noires, mais si vous avez vu la version finale, les bandes noires ressemblent pas à ça. Là, c'est...
Lincoln, il est en mode, tout le monde il pratique ici. Il y a davantage de tease. Et oui, Corto, ça c'est dû à l'augmentation exceptionnelle. Et là, vous voyez, il n'y avait pas de retouches bleutées. Il y a eu le marché du manga ces dernières années, et principalement durant la période du Covid-19. Je suis là, moi. Je vous propose qu'on aille voir ça de plus près. D'accord. Et en fait, c'était un rendu, je pense, test pour l'intro. Ensuite, là, c'est le rendu avec les premiers montages, rigoler un peu. Parce qu'en gros, on a du coup l'intro comme elle était. Et en fait, on a toutes les scènes. Udo Magazine Europe. Malheureusement, par... On a toutes les scènes où je parle. 10, mais encore une fois. Qui ont été du coup mis en image après, dans la version finale. Mais en fait, ça, c'était le pré-montage de 4 minutes qui montrait en fait à quoi devait ressembler la vidéo. Et du coup, il y avait des indications, motion. En gros, c'était les scènes où je devais modifier des trucs. Et ensuite, du coup, paf, cut, on arrivait dans la librairie, plan de coupe, tac, c'est trop bien, blablabla. Puis on sortait, et vous remarquerez... Oh, tiens, vous voulez voir l'intro, l'outro qui a pas été gardé? Voilà. Et ça a pas été gardé. Ensuite, on a le rendu 4, qui visiblement a pas envie. Ouais, rendu 4, il a la flemme. Du coup, on va partir au rendu 5. Qui est pareil, un rendu... Ah! C'est un rendu... C'est un rendu avec des tests de rendu... De... Ah, c'était peut-être le filtre final, je crois. Ah, il y avait des scènes qui commencent à arriver, regardez. Des scènes qui ont été modifiées, d'ailleurs, et... Est-ce qu'elles ressemblent pas à ça, la version finale? De toute façon, beaucoup de choses ont changé au fur et à mesure. Ouais, ça a commencé à être monté. Nanananananana... Ensuite, on a le 6e. Ouais, on va encore supprimer des trucs, t'inquiète. Dis donc, Gaëtan. C'est encore un rendu de 4 minutes. Devait y avoir des rajouts comme les points d'interrogation au début. Ok. Rendu 7. Je crois que c'est juste la scène en stabilisé. Ouais, c'est ça, c'est gentil. Vous voulez un petit tips? Vous entendez le bruit? Vous entendez qu'on entend bien mon bruitage. Et en gros, Corto, il était à l'opposé de la rue et c'était zoomé pour me filmer rentrer à la librairie et faire le travelling. Et moi, j'étais du coup loin. Et là, la question que tout le monde doit se poser, c'est comment tu fais pour capturer l'audio? Bah, tu payes ton preneur de son avec sa grosse perche, mais bah, y a pas le budget. Et le seul truc que j'avais à disposition, c'était un micro Rode Bluetooth. Enfin, Bluetooth à distance. En gros, t'as une partie qui est branchée sur la cam et une partie qui est le micro. Et en fait, le micro, pour pouvoir bien capter les bruits de son, où était-il sur cette scène? Je vous laisse deviner. D'après vous, sur cette scène, où était posé le micro pour avoir un bruitage si réaliste? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans ton cul. Let's go Maxence, tu prends un ban. Dans ton chignon, c'est quoi? Ah, chignon. Tu penses qu'il était là? Comment tu captes les bruits de passe? Il est là. Non, il était accroché sur ma chaussure. Oh là là, c'était pourtant évident. Et le manga a aussi été décrit comme des dessins très violents. Eh ouais, ouais. Ouais, c'est, vous voyez, c'est des tests de rendu, et là par exemple, il manquait les couleurs sur le texte. Mais j'ai quand même fait pousser mon truc pro parce qu'il y a des détails. Si on remarque par exemple sur les mangas utilisés, il y a toujours les copyrights, la partie légale. C'est encore un rendu de 4 minutes avec des rajouts, je crois. Il y a. Cette scène-là, je crois qu'elle prenait. Voilà, elle commence à prendre la gueule, mais elle ressemble pas à ça dans la version finale. Tac. Tac. Pareil, regardez, le texte était là, mais le texte n'était pas mis en couleur. De toute façon, c'est très du étape par étape. Hein. On a les scènes d'insert qui commencent à être... qui commencent à être tout juste à être posées, on va dire. Et je vais réduire les vidéos juste pour qu'on puisse les mater comme ça. Ajoutez à cela une quantité de nouveaux éditeurs tels que Nuevi Graphics, Mangetsu ou encore Cool Books ont fait leur apparition sur le marché. Ça, c'est juste des tests pour stabiliser. On parle d'environ 135% de ventes supplémentaires. Plus d'une BD vendue sur deux est un manga. Je vous propose qu'on aille... La plupart, de toute façon, c'était juste des tests de rendu, en gros, pour voir comment c'était stabilisé, comment le rendu se faisait et tout.
Pareil, là, le plan, il est stabilisé. Il est... Mais par contre, la stabilisation fonctionne très très bien, parce que du coup, ça fait super fluide. Qu'une fois par semaine, parce que regardez, ça, c'est pas stabilisé. Qu'on vendait qu'une fois par semaine, là, c'est pas stabilisé. Là, c'est stabilisé. Je trouve franchement que ça fonctionne super bien, ce truc de merde. Les gens vont donc acheter des mangas. Eh ouais. Celui-là, il est drôle, ce plan. Les gens vont donc acheter des mangas. Parce qu'en gros, à la base, c'est ça le plan. Les gens vont donc acheter des mangas. Eh ouais. Il se transforme en ça. Les gens vont donc. Pareil, là les plans, on dirait, ils ont été tellement bien cadrés. Alors qu'à la base, ça ressemble à ça. En soi, ça va, mais vous ressentez les petits à-coups. Ça, c'est tout ça, c'est filmé à la main. Et là, c'est stabilisé. C'est trop marrant. Bref. Oui, il y a des mangas violents, bien sûr, mais la façon dont c'était dit, c'était pour dire que les mangas étaient violents. Et du coup, moi, comme contre-exemple, je prends un truc hyper simple, genre Wally, Tema, c'est trop violent. Tu comptes modifier des scènes full motion déjà faites ou tu te focuses vraiment sur celles pas faites? Je compte peaufiner les scènes motion déjà faites, avec des petites idées, des trucs débiles que j'ai en tête. Par exemple, on va pouvoir attaquer celle où il y en a une en tête qu'on va pouvoir attaquer direct. C'est la 5-6, vas-y, on va se dire que c'est par celle-là qu'on va commencer. Par exemple, cette scène, on va la peaufiner. En gros, quand je dis peaufiner, c'est que ça sera pas mieux, parce que de toute façon, pour moi, la version finale, c'est bonne, ça changera pas. Mais dans l'ambition, en fait, de mon rattrapage, je vais proposer des trucs, tu vois, je vais mettre des animations, je vais mettre des trucs trop stylés qui... catastrophique. Ça va pop de partout. Si tu vois la différence entre les deux. Là, je te le mets en grand écran. En fait, là tu ressens les à-coups. Et là, c'est fluide. Du coup, je t'en prie, modifie celle de la chute des mangas, on ressent vraiment pas la chose. Fais bouger les lettres sur les côtés et change les lignes de vitesse. De quoi qu'est-ce que tu racontes? La chute des mangas, de quelle scène tu parles? Modifie celle de la chute des mangas, on ressent vraiment pas les choses. Fais bouger les lettres sur les côtés. Quelles lettres? Hein? Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, ça! Ça là. Le marché du manga était donc en chute libre, mais bien évidemment, cette situation ne pouvait pas durer indéfiniment. Tu parles peut-être de cette... Ah, cette scène-là. Oui, celle-là, elle sera peaufinée. Et il y en a une autre aussi qui est assez gaulerie. Accentué par le visionnage. Non, pas ça, ça c'est bien, ça brille. Le catalogue général du... Ça là. Ça c'est gaulerie, regardez. Je l'ai un peu fait vite fait, on va dire, parce que comme vous voyez, si on met pause. Il y a des mangas, ils ont flou, ils sont mal cadrés, tout ça. Mais en fait, si je vais vous chercher le rush de ce truc, cette scène là, je l'ai tirée de ça. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Déjà, je suis un gros gaulmont parce que une fois que j'avais filmé, j'ai remarqué qu'il y avait ma giga ombre. Et en fait, c'est une vidéo où je retire les mangas de la pile. Et ensuite, moi, je me suis fait chier à détourer les mangas par manga pour ensuite les faire ça. Je me suis fait chier. Si jamais c'est la question qu'on se pose, oui, je me suis fait chier. J'ai pas de justificatif. Juste, je me suis fait chier, hein. Regardez, là j'ai mon super dossier. Hein. Voilà, je me suis fait chier. Voilà. Non mais laisse Licano, laisse. C'est, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui arrivent. C'est comme ça, c'est la vie. non, bon, du coup cette scène-là, elle ressemble à ça. Ajoutez à cela une. Non, par contre, tu m'excuseras, on va mute les sons. Parce que on les connaît, hein. Ajoutez à cela une quantité de nouveaux éditeurs, nanana. La version avec les fautes, ah, c'est magnifique ça. Non, c'est la version épreuve non corrigée. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement des fautes, mais il y a surtout potentiellement des traductions qui vont changer d'ici la version finale.
Ouais. En fait, là, sur celui-là, je vais essayer de faire un truc très simple. Oh, c'est vrai que je suis un galérien. Ouh là là. C'est qu'on va aller chercher le tracking de... suivi 3D. En fait, je vais essayer de positionner les trucs sur le sol. Genre, on va prendre ça. Créer solide. Et là, normalement, on a en fait un solide. Qui devrait... suivre le sol. On va voir. Non, je le garde. Attends, octobre, ça va, ça arrive octobre. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai créé un solide qui est sur le sol. En fait, ce que je veux faire, c'est créer une espèce de portail de merde. En gros, il y a un truc qui s'ouvre, et au lieu de faire juste un pop comme ça... Au lieu de juste faire un pop, les trucs vont sortir du petit portail en bas. Voilà. T'as montré une scène avec des étoiles qui apparaissent, c'était dans une vidéo de base ou tu as la fait depuis pour changer par tout ça la scène avec des bulles blanches moches? Non, j'ai deux scènes de... J'ai deux scènes avec des particules. J'ai cette scène-là, mais tout ça c'est des trames de manga. Les ronds blancs, y a ça beaucoup dans les shoujo. Et j'ai la deuxième qui est plus vers là. Et en... non, perdu. Raté, c'est celle-là. Voilà, et j'ai la deuxième avec des étoiles. Ça brille, c'est joli. Et du coup, ça, là, le logo Noévé, on va le faire apparaître différemment. Oh, je suis un Gaulmont. Vas-y, c'est pas grave. Fenêtre, Animation Composer. En varying ou ça. Ok. Là, du coup, ce que je vais vouloir de ces trucs, c'est ici. On va remove. Je vais prendre les positions. Alors, c'est que ici, ils sont bien là où ils doivent être. Et ici, inversement. Voilà, on va dire qu'ils sont en bas ici. Et du coup, dans l'idée... C'est très bien de pouvoir isoler, parce que rien que là, mon PC tient, mais en plus on est en live, tu vois, je demande beaucoup de perf à mon PC. Et du coup, t'isoles les éléments sur lesquels tu travailles. Trame de manga, ça rassemble beaucoup de choses. Tous les trucs de points, les traits de force, tu vois, il y a plein de trucs, tout ça c'est de la trame. Et par exemple, là où c'est beaucoup utilisé dans les shoujo, mais quand j'ai même moi là je dis des conneries dans les romances, manga romance type shoujo, c'est par exemple je sais pas, t'as le protagoniste qui complimente il y a le gars qui complimente la protagoniste, la fille qui est amoureuse, et du coup pour montrer qu'elle est en mode waouh, t'as plein de petits ronds blancs autour d'elle, enfin tu vois, t'as plein de trames comme ça, des trucs comme ça dans les mangas. Ouais, t'es aveugle Licano je pense, hein. Si on fait une anime juste comme ça. Ouais, ça peut le faire. Hein. Juste voilà, il pop comme ça. Et du coup, on va faire la même chose avec les trois animations. Remove, on va régler leur position. Et du coup, pareil dans la tourie, lui, j'ai envie qu'il soit en bas. Tac, et on va régler le troisième qui est là. Un truc aussi qui est important, et là par exemple ça m'est très utile vu que je dois revenir sur le projet, je connais beaucoup de gens qui ne font pas ça, nommez vos putains de dossiers. Par exemple moi ils sont tous nommés, peut-être que vous comprenez pas, il y en a qui s'appellent B3, T11, etc, mais genre T c'est pour test, B j'en sais rien. Non mais en gros j'ai des mémos, moi je me comprends, même si c'est pas forcément très clair parfois comment c'est nommé. Mais tant que je me comprends, c'est le principal. Mais après, par contre, si on fait des trucs, genre travaux en équipe, vaut mieux que ce soit compréhensible pour toi, mais aussi pour ton équipe. Là, mon équipe, c'est moi, donc tranquille.
Hop là. D'ailleurs, je vais changer le nom du live. Parce que c'est vrai qu'il est toujours en Valorant. Tellement plus quoi écrire. J'ai mis motion design en mode sérieux ce soir. Let's go. Oui, Tram, ça rassemble beaucoup de choses. Comics, c'est de la bande dessinée, hein. Qu'on confond pas. Hein. Tac. Et du coup, là, je vais isoler. Ouais, j'ai détouré aussi les mangas, je me fais chier. Hein. Il y a aussi cette partie qui est super cool, c'est attendre quand ça enregistre. Tac, tac. Ok. Et là, du coup, maintenant qu'ils sont isolés, on peut retourner au début. Et visionner ce que ça donne. Là, tu vois, dans l'idée... Et vous voyez que d'ailleurs les deux mangas qui sont isolés, ils sont pas parfaits. Parce qu'en fait, il y a des zones où je m'en fous. En haut, c'est tracé comme n'importe quoi. Parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est pour que les logos, là, qui apparaissent, soient pas à travers. Et là, ça a l'air de fonctionner, on va voir. Parce que du coup, j'ai créé mon pré-animation. Et là, on visionne pour voir si ça fonctionne. Hop là, Noévé, Mangetsu. Ok, on va juste faire un checking avec l'audio. Ajoutez à cela une quantité de nouveaux éditeurs tels que Monde Graphics, Mangetsu ou encore Coolbooks ont fait leur apparition sur le marché. Ajoutez à cela une quantité de nouveaux éditeurs tels que Noévé Graphics, Mangetsu ou encore Coolbooks. C'est carrément trop long. Mangetsu ou encore Graphics, Mangetsu. Noévé Graphics, Mangetsu ou encore Coolbooks. Noévé Graphics, Mangetsu ou encore Coolbooks. Mangetsu ou encore. Ah, il a pas tout sectionné. Passe-moi un cas. Ajoutez à cela une quantité de nouveaux éditeurs tels que Noévé Graphics, Mangetsu. Ouais. Quand After il bug le son, il... enfin quand pas il bug, quand il charge les trucs, le son il me fait toujours rire. Une quantité de nouveaux éditeurs. En fait là, faut que l'apparition soit plutôt synchro avec la voix pour que le rythme soit là. Ouais, on va voir ce que ça donne. À cela, une quantité de nouveaux éditeurs tels que Noévé Graphics, Mangetsu ou encore Coolbooks ont fait leur apparition sur le marché. Ajoutez à cela une quantité de nouveaux éditeurs tels que Noévé Graphics, Mangetsu ou encore Coolbooks ont fait leur apparition. Ça, je suis plutôt satisfait. Et du coup, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est créer nos portails. Je mets un gros guillemet là-dessus. Ça va être des trucs d'apparition en mode trop stylé. Du coup, ce qu'il nous faut, c'est qu'on arrive au départ. Voilà. Et lui, par exemple, il va passer là. Du coup, ce qui est pratique, c'est que j'ai pas à m'embêter. Je vais récupérer directement ces petits cubes. Hop là, changeons l'échelle. L'échelle, on va se dire, on prend ça. Ensuite, on va se dire quoi? Non, ça, ok, on n'a pas les touchés. On va se dire... Ça, là, ça me paraît bien. Ah, ça m'embête. Ah, ça m'embête encore.
Ok, on va devoir régler la rotation un peu fait maison. Vas-y, c'est pas grave. Voilà, c'est bon, on va la faire. On va la faire à l'ancienne, on va la faire à la maison. Pas mal comme ça. Ok. Pas mal, c'est pas mal, non, non, c'est pas mal. Ah si, c'est bien comme ça. Là, est-ce que tu vois mon élément passe à travers? Ah oui, mais là, techniquement, il est pas du tout sur le sol. Non. Voilà, là, il est sur le sol, techniquement. Non. En vrai, si le portail est plus grand, vas-y. Vas-y, c'est pas grave. Est-il possible de créer des fichiers dans les sources? Le truc à gauche de la timeline pour regrouper plusieurs sources en un lieu. J'ai rien compris. J'ai pas compris. Attends. Le truc à gauche de la timeline, tu parles de ça là? Le. Là. Pour regrouper plusieurs sources en un lieu. Retour un élément de la scène sans avoir l'escalier horrible pour chaque frame. D'accord. Là, il y a la timeline. Moi, par exemple, dans celui-là, tout est là. Mais par exemple, si tu vas à l'intérieur, là, j'ai mon plan qui est tout seul. Parce que là, j'avais besoin de le traquer, le plan. Et là, pour celle-là, après, le reste est là. Mais si tu veux... Si là j'ai trois éléments pareils, tu peux prendre, tu fous ça dans une pré-comp, blablabla, et là les éléments sont toujours là, sauf qu'ils sont plus qu'un, et si tu rentres dedans, les trois ils sont là. Dans l'idée, voilà, tu peux faire ça. Et après les jeux de pré-comp, c'est un truc super intéressant. T'as ça avec le logo de Pawn. Putain, je vais te montrer que le logo de Pawn, j'en ai fait pas mal. Hein. Petit chargement. Tu vois, le logo de Pawn, par exemple, là, t'as le logo. Et là, t'as plein de pré-comptes. Si tu rentres dans celle-là, là, t'as juste un des éléments qui bouge tout seul dans son coin. Tu peux revenir, t'as un deuxième élément. Tu peux revenir, là, t'as quoi? Là, t'as juste le texte qui est tout seul, qui fait sa vie, qui s'anime. Voilà, dans l'idée, t'as ça. Du coup, là, est-ce que ça fonctionne? Joup. Techniquement, oui. Techniquement, ça fait ce que j'ai demandé. Ça passe à travers. Et ça fait sa vie. Très bien. Et du coup, on a une nouvelle... On va l'appeler... Portail 1. Voilà. Maintenant, ce qu'il me faut, techniquement, moi, c'est un masque. Et du coup, on va créer un nouveau solide. On va l'appeler masque P1. Et en gros, là, moi, je me comprends. C'est le masque du portail 1 qu'on va pouvoir foutre en dessous. Et du coup, le masque, la zone qui va m'intéresser, moi, c'est ça. On va se dire, tac, 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 tac. Voilà, ça, c'est la zone qui m'intéresse. On peut d'ailleurs cut. Parce que c'est juste à partir de là que c'est intéressant. Et du coup, mon masque, on lui donne un petit tracé. T'imagines, Nicano? T'imagines? Non, mais c'est pour ça que je fais des lives. Mais du coup, on va faire sûrement... ça va être rythmé comme ça, là, le mois d'août. Ça va être du Valo, du Motion. Deux thèmes qui n'ont rien à voir, mais vas-y, tranquille. Je trouve que c'est une bonne idée. Là, j'ai plus que deux bonbons. Comment je vais faire après quand j'aurai plus de sucre? Là, je vais boire de l'eau. Ta-na-na-na. Vas-y, c'est important de boire de l'eau. Ok, mon petit verre d'eau. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est là. Là, c'est la fin. De la... Là, on est à peu près à la fin parce que là, en gros, comme on voit, le logo, il est parti. Et du coup, j'ai fait début et fin. On check.
le truc est plutôt fluide parce que ça a l'air de plutôt suivre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer. Et du Minecraft, peut-être, peut-être, peut-être. Regitol. On est en mode sérieux là. Et tous les 4 matins, on enregistre. Ça, c'est très important parce que tout moment, ça bug et tu fais « Oh, j'ai tout perdu. » Les mates sont des cartons. C'est vrai que juste... Je vais balancer un dragonnet que vous verrez bientôt sur Valo en live, probablement. En gros, là, on est sur Valo. Il n'y a pas tout le clip. Mais là, moi, je suis rentré. Parce qu'en gros, on a check, il n'y a personne. Personne, personne. Ok, vous me suivez? Moi, j'arrive, je pose sur site, je me retourne. Que font-ils? Ils sont toujours en train de prendre la ligne. Il y a Licano, Licano... Pardon, c'était un peu gratos. Et en plus, on m'entend au fond dire « Tu peux rentrer, tu peux rentrer. » Et du coup, c'est posé, je commence à prendre tranquillement ma ligne. Je vois que tu vois, en se retournant, ouais, il y a Eric Dragonnet, du coup, qui est rentré, et eux, ils sont encore timides. Du coup, moi, pour l'instant, je prends mes lignes. Il y a un œil qui est passé, je sais que c'est en haut. Je me dis que s'il décale, il m'aura pas. Et je le rends en premier. La porte s'est pétée. Hop là, le premier, hop là. Le gars, il a décalé, il a tué Dragonnet. Hop, et du coup je vole aussi lui. Je sais qu'il est là, je me dis j'y vais, sauf que j'ai pas vu mes balles, je rate tout. C'est la galère, on switch, on le fume. Je vois qu'il y a un gars, je me planque, on recharge. Hop, dash pour prendre l'info. Je peux le terminer, quatrième. J'ai le cinquième, mais malheureusement, bah, le temps de, il y a carrément le temps de diffuse. Mais j'avais des mates en carton. C'est exactement le cas. Du coup là ça fonctionne bien. On voit que là techniquement, bon, il est caché parce que on voit qu'en fait mon gros masque il est par-dessus. Regardez, si on prend à remplir, voilà, on le met en rouge, au moins on le voit. On voit qu'il y a un gros masque et là techniquement il fait son taf. Mais nous du coup ce qui nous intéresse c'est de dire à notre logo qui est là, on va lui dire, hop là, ouvre ça. On va lui dire tu deviens un masque de MP1, du masque P1 du coup, et tu fonctionnes comme ça. Bien ça ou pas? Ou peut-être comme ça? Ouais, c'est ça, tu fonctionnes comme ça. Et du coup, pareil, pour la bulle qui va avec, on lui dit t'es un masque et tu fonctionnes comme ça. Et du coup, vu qu'il fonctionne comme ça, on voit qu'en fait, l'idée c'est que là, je lui ai dit, quand t'es à l'intérieur du masque, le masque qui est défini comme ça, quand tu es à l'intérieur, je lui ai dit on ne te voit pas. Et je lui ai dit quand tu sors, on te voit. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, il est à l'intérieur, on ne le voit pas, et il sort, et on le voit. Ça taffe bien. Et du coup, notre portail, on va pouvoir lui mettre un petit effet, remplir pour pouvoir changer sa couleur. Est-ce qu'on le met en blanc? Blanc, ça ressort bien. Hein. Regardez, on est là, on se met en intégrale. C'est bien blanc. Ou peut-être... Tu fais ça sur un live de le motion. Ah, j'ai trop le seum. Ah, j'ai trop le seum. Ce jour est arrivé. Ce jour est arrivé. Il a activé, Licano a activé League of Legends. On va devoir live sur les... Je vais devoir installer League of Legends. Rocket League, ça m'a jamais attiré. Ça a l'air tellement chiant. À comprendre comment manier... les voitures et tout. Putain, League of Legends est activé. League of Legends est activé. Et le pire, c'est qu'on connaît tous Licano, il a 200 000 points. Le prochain que je mets, il va faire activer. Et là, ma question, moi, c'est est-ce que je lui fais plaisir ou est-ce que... Enfin... T'as capté. Musique, j'ai toujours pas les musiques. Faudrait que je retire carrément le truc. Hein. Faut que j'envoie ça par contre, je vais devoir jouer à League of Legends. Comment je dessine? Je vais mettre plein d'emotes tristes.
Voilà. Pour fêter la cover d'Orelsan. J'ai trop. J'ai trop la flemme. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi de temps que ça tue. Ah, ça va jouer, League of Legends, non? Les matins sont obscurs, comme tout un n'a rien coûté sa vue. Il a 100 000 points, tu penses? Ils sont morts, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Oui, je pense pas que la conduite de RL est réaliste. Hein. Va s'arranger, c'est faux. En fait, c'est la musique qu'il faudra que j'écoute pendant que je joue à League of Legends. Faut absolument que je m'écoute ça. Putain, j'ai envie de crever. Bon, bah. Il va falloir que je fasse une annonce tout à l'heure, faudra me le rappeler si j'oublie. League of Legends est lancé. League of Legends est lancé. Tu sais quoi, je vais. Je sais pas si je peux le laisser en non validé. Si, je vais le valider du coup. Je sais, tu sais. Des fois, je serais plus. Oui, c'est pareil, c'est une voiture qui vole, c'est sûr. Je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer. Enfin, sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser. Tu dois valider League of Legends, ça veut dire qu'il est lancé. Bon, je vous tiens au courant, on le fait pas tout de suite, mais il est activé, j'essaierai de mettre le prochain. Mais en fait, c'est juste qu'il y a des gens avec qui il faut que je joue et il y en a qui sont pas dispo actuellement. Parce que période de vacances. Je sais qu'il y a Léon qui se fera un grand plaisir. Faut que j'envoie le screen d'ailleurs. Licano, envoie le screen sur mon Discord. Je te laisse le faire. Je comprends, Lika. Des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine. Des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler. Faut que tu l'acceptes. Être heureux, c'est comme le version reste. Emma. Tu veux autotune et Emma? Tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles. Si tu me le rappelles, j'essaierai de te le faire. Mon ami, laisse-moi dire 2-3 conneries avant que t'en fasses une. Ah, déjà posté. Bon, écoute. Écoute, voilà. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi, tu pourras compter. Non, lol, c'est pas ça, va. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air. Allergique à la vie des matins. Par contre, Valo. du coup, simulons notre petite. Notre petite animation. Ajoutez à cela une quantité de nouveaux éditeurs tels que Novi Graphics, Manga. On va désactiver la voix parce qu'au bout d'un moment. Ajoutez à cela une quantité. Je connais les voice lines par cœur. Déjà, je connais la base. Je sais que c'est du 5v5 si je dis pas de conneries. Et en gros, t'as une map, les deux spawnent d'un côté de l'autre. Et t'as des prises de points. fin de mes connaissances. J'ai tout donné. Est-ce que je les laisse, les petits portails, ou est-ce que je les fais apparaître? Je me pose plein de questions. Hein. Mais là, surtout, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'elle fonctionne, l'animation? Oh, en vrai, ça fonctionne très bien. Allez, franchement, ça fonctionne. Franchement, celui qui me dit que ça fonctionne pas, bah, il est de mauvaise foi. Je vais être très honnête, hein. Du coup, on peut dupliquer. Là, on a du coup portail 2. Moi, je me fais pas chier. Hein. Moi, je duplique. Hein. Voilà. Et du coup, là, ce qui va être intéressant avec portail 2, ça va être de le placer ici. Portail 2. Bientôt, on aura portail 3. C'est tout pour moi. Merci à tous. J'étais au summum de mon humour. Maintenant, je suis démodé. C'était une ref à Val. C'est important d'expliquer tes vannes quand elles ont foiré. Il est placé où le truc là? Je comprends pas ce que je fais. Tu dois éclater le nexus de l'équipe adverse et détruisant les tours des protections de... Ah oui, c'est ça, tu détruis... Oui, j'avais un gros doute. En fait, j'ai compris le concept quand il y avait le jeu Pokémon là qui était sorti et qui plagiait complètement le concept. Je pense que vous voyez de quoi je parle. En plus, je crois que j'y avais joué. Hein. Je sais plus. Je sais que ce jeu, on n'en entend plus parler par contre. Mais il est... Je comprends pas, ça me tilt. Où es-tu? Voilà.
Pourquoi il veut pas passer à travers? Oh, ça me tilt. Ok, là il est là, très bien. Où sont mes éléments? Que je comprenne. Là, j'ai ma petite merde de portail 2. Et là, j'ai mon truc. Très bien. On va agrandir l'échelle. Ouh. Voilà. Alors là, là, c'est une folie. En gros, regardez, lui, il est devant. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il soit comme là, le premier. Regardez. Regardez. Là, le premier, ça passe dedans. Voilà, qu'on soit d'accord. Il apparaît à travers. je suis désolé, je crois que vous... Ah, vous parlez de dev entre vous. Je vous laisse parler, pour l'instant, je règle mon souci. Je règle ma compréhension de l'univers, carrément. Allez, on va être un gros psychopathe, je vais faire une 4 vues. Parce que là, ça m'a un peu saoulé. Hop là. Voilà, j'ai activé mon mode giga psychopathe. Voilà, comme ça j'ai compris. Comme ça. J'ai pas compris. Il est toujours devant, là, mon problème. Pourquoi il est si grand ? Trop de problèmes là actuellement. Mais voilà, fais juste un petit cube. C'est bon, t'as juste besoin de faire un petit cube. Bonne soirée Maxence en tout cas. Ok. J'ai un problème avec la 3D after. Parce qu'en gros là mon truc. Oh, regarde, il passe en plus à travers le premier. Il passe à travers Nové Graphics. Mais il passe pas à travers Mangetsu. Et pourquoi? Pourquoi il passe pas à travers Là on est à droite. Devant, non, là on va faire une vue de gauche. Ok. Et là on a une vidéo. Très bien. On prend le portail. Ça c'est mon portail. Ok. Qui est plutôt stable. Vidéo, il est comme ça, d'accord. Ah, j'ai juré, j'ai pas compris. Comment ils sont mes éléments en fond? What the fuck? Je comprends pas. Ça, c'est mes deux éléments, d'accord. Ça, c'est portail. Ok, très bien. Alors, pourquoi ils passent pas à travers? Vu d'eau, on est plutôt aligné. J'ai du mal. Tu vas développer en entendant Galish raconter sa merde sur son projet en mode « J'ai du mal. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça marche. » Attends. Ah, là ça marche! Oh, je suis trop con! Est-ce que c'est ça? Non? Attends. On va pas chercher à comprendre. Ça marche, tant que ça marche. J'ai pas compris. Mais chill, ça marche. C'est le principal.
ça marche. Regardez, ça fonctionne. En gros, j'essayais de faire ça. Regarde, tu vois que là, ça, mon logo Mangetsu machin passe au milieu. C'est ça qu'il me fallait. Et puis tout à l'heure, il voulait pas. Et je sais pas, c'était un truc d'ordonnance parce que en gros, enregistre. En gros, si le portail 2, je le refais passer juste au-dessus du T11, tu vois que ça marche plus. Et c'est pourquoi ? C'est parce que c'est un plan 2D, l'autre ? Là, tu vois, là, il est devant. Là, il est devant. Là, je refais passer en dessous. Là, il est entre les deux. Je suis comme ça. Je cherche pas à comprendre, c'est juste c'est comme ça. Ok, non, c'est carrément la galère. Ah, vas-y, on va le faire en traditionnel. Non, rentre pas dans la compo, s'il te plaît. Là on est bien. Là pour moi on devrait à peu près être bien. Du coup je vais dupliquer ça. Mais là cette fois le masque, je vais vouloir qu'il soit là. Tac. Voilà, le masque il commence comme ça. Et à la fin, le masque il est. Non, non, non. Allez, BG, tu peux le faire. Voilà, le masque il est au même endroit. Voilà, il fonctionne pareil. Voilà, on va juste recaler ça rapide. Voilà. Du coup, si je fais un entre deux, est-ce que le masque il fonctionne? Tac, tac. Oh, le masque a l'air de fonctionner. À plat, sauf que du coup, lui, il va s'appeler le MP2. Parce que c'était le MP1, c'est ça. Et là, du coup, eux, on va les passer en cache. On va les passer en cache MP2. MP2. On met en contre-alpha. On peut faire re-rendre visible. Et normalement, ça devrait plutôt marcher. J'ai bien dit normalement. Mais là, tu vois, il y a un petit bug. Là, on a ça qui passe à travers. Ok, ça a l'air d'être réglé. Non, c'est pas du tout réglé parce que. Ah là 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 là. Regardez, mon petit portail, il passe à travers le manga. D'ailleurs, il a l'air. Attends, il a pas l'air. Il a pas l'air du tout de traquer le petit trait. Ou sinon, il est super loin. Hein. Ah non, il sort de là. Ouais, bah écoute, il sort de là. Qu'est-ce que je te dis ? Après, en vrai, je peux faire un effort et le faire sortir plus près du manga. On va le faire sortir plus près du manga, je pense. Allez, on fait un petit effort. Un petit effort, ça va être chiant, mais vas-y, chill.
Parce que du coup, moi, techniquement, je peux le mettre là. Techniquement, là, ça devrait marcher. Ouais, ça marche à peu près. Ouais, ça marche. Ça marche à peu près. Du coup, faut juste qu'on rechange le masque. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà. Hop, et ça on met dehors. Voilà. Et là du coup ça devrait marcher pareil, sauf que ça donne l'impression qu'il est plus proche. C'est marrant, juste parce que j'ai déplacé le curseur par lequel ça suit. Enfin ça sort. Là du coup, dans l'espace, on dirait que là, il sort près du manga. Alors que le logo n'a pas changé de place. Si vous comprenez, si vous me suivez à ce niveau-là. Vas-y, je vais essayer de proposer un bon tracking quand même au moins pour le début. Histoire que ça délète ça. On a juste besoin d'un masque histoire que le trait soit pas. Hop là. Ça, ça disparaît plutôt. Allez, on va dire que c'est stable. Hop là. Du coup, là, on peut faire un petit enregistrement parce que c'est toujours important. Et ensuite, on visionne ce qu'on a fait. Et on voit le rendu. Faudrait quelqu'un se follow à nouveau parce que là, le gars, le dernier gars qui a follow, il prend toute la place sur les infos en bas de live. Il a envoyé le screen. Quel terrible screen. Rip Galaxy va devenir toxique, au secours. Ok, voyons ce que ça donne. S'il vous plaît, si vous trouvez ça épatant, vous écrivez O. O-H. Ok. Si vous êtes épaté en mode « Waouh, ça sort de petits traits blancs, c'est incroyable !» Ouais. Mais le pire, c'est que c'est... En fait, c'est depuis que j'avais perdu des dossiers à un moment, maintenant que c'est devenu une habitude. Mais c'est cool, tu vois, tu fais 2-3 modifs, paf, CTRL-S, CTRL-S, CTRL-S. Prenons un peu de sucre. Alors on va simuler du coup nos deux apparitions, sachant qu'il faudra faire la troisième apparition. C'est vrai que du coup c'est bien ce que j'ai fait de le mettre beaucoup plus près. Et là je me tâte par contre, est-ce que du coup je les laisse tout le temps les petits traits? Ou est-ce que je les fais apparaître? Genre ils arrivent, ça arrive et le trait s'en va. Après on pourrait dire oui c'est de l'animation, c'est toujours de l'animation supplémentaire. Mais l'idée j'aime bien, ce peaufinage. Et j'espère que mon jury sera content, il fera oh, c'est beau, il a fait bouger des trucs. Épatant carrément. Vas-y attends, on va voir ce que ça donne à vitesse réelle. Non, franchement, ça fonctionne bien, ça fonctionne très très bien. Du coup, on va dupliquer le portail 2 pour avoir le dernier portail. Le portail 3 qui va venir englober. Ah, mais là, on a un. Ah, là, il y a un problème. Hein. Ah, là, il y a un problème. Hein.
Parce que lui, il a pas de sol, hein. Ah, mais regarde. Bip bip, problème. En vrai, au pire, je le fais comme ça et on s'en tape. Hein. Je sais pas. Prenez pas exemple sur moi. Vraiment la pire chose. Allez, vas-y. Allez, ma couillasse. Tu peux le faire. Je sais pas pourquoi je mets 50 bits. 50 bits qui ne... Pop-up. Oh si, regarde, il est tout triste. Bah attends. J'ai plus mes pop-up. Il est en bas à droite, il est tout triste. C'est un pop-up tout triste. Attends, si je relance ça. Ouais, ça c'est... Les follows sont toujours là. D'accord, le pop-up. Tu as le droit à un pop-up tout triste. Pop-up tout triste qui fait coucou. Mais du coup, bah la personne qui a le long pseudo. Non, d'accord, c'est. Le long pseudo au follow est toujours là. Mais merci, Game Rouge. Si dans le cas où ton travail était moins pro, il se serait pas plus rendu compte du travail effectué à tous les coups. Ils pensent que t'as pris les quelques scènes de motion qu'ils ont vues autre part. C'est-à-dire. Ouais, c'est un pop-up nul. Plus habituel. Guitoul qui s'est fait avoir, il n'y a pas eu de follow. Mais c'est pas grave, je lance la pub. Mais il n'y a pas eu de follow. C'était un prank. Ok, exactement comme ça. Mais c'est vrai que là, j'ai une question que je me pose, c'est comment j'ai fait pour régler le problème du out of map du truc. La solution, c'est je m'en fous. Qui est une solution qui est vraiment recommandée. C'est une solution à ne pas sous-coter. Hein. La technique du je m'en fous... C'est quelque chose de vraiment pas mal. Hein. Moi, s'il est complètement out, je sais pas. Une hypothèse hypothétiquement. Hypothétique. Oui. Mais va savoir. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils ont eu 2-3 bugs dans leur vidéo, mais c'est passé. Hein. Et moi, après, c'est mon côté perfectionniste. Hein. Il n'y a pas un glitch d'animation ou une connerie qui a pas sa place. Hein. Hop, le MP3 qu'on fait passer en dessous. À plein. Et même, il faut voir mes dossiers, ils sont tous rangés. Moi, mes trucs, ils sont propres. Hein. Moi, c'est comme Aurel San, c'est que du propre. Oh, Gomo, je veux que tu me fasses poser sur que du propre la prochaine fois.
Hop là, ça c'est mon masque. Hop là, ça c'est mon masque dans un deuxième temps. Est-ce que là il fonctionne? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, il fonctionne. Ah, oui, il fonctionne très bien, parce qu'une fois que c'est fini, on s'en fiche. Du coup, ceux-là, on peut les mettre en MP3. MP3, hop, contre alpha. Et ça devrait marcher. On va voir, franchement, on va se dire, est-ce que c'est choquant ou non, le fait que, que la banderole dépasse du livre. Si c'est pas choquant, hop là. Un montage bien fait, un montage qui se remarque pas. À savoir, après, techniquement, si t'es du milieu, t'es censé le remarquer, mais bon, ils se sont basés sur leur ressenti de visionnage. Let's go. Non, c'est pas la première fois que tu l'entends, que du propre. C'est pas possible. Ou juste ça s'appelle propre, pas que du propre. C'est du propre. Hop là. Faisons un petit visionnage du coup de cette scène. Cette magnifique scène. Peut-être qu'on va aussi animer le nouveau éditeur, t'es. Petite animation de texte. En soi, pourquoi pas, hein. Il y a des moments dans les paroles. Sauce magique, beau gosse, il dit. Il est où? Où sont les paroles? Ah, c'est là. C'est pour ma ville, sauce magique, beau gosse. Ça dit vite fait quelque chose. Mort en ville quand t'allais hop. C'est du propre. Je te dirais comme disaient les profs. Tute partiel musical. Et du coup, le rendu de la scène. Ça qui dépasse de ouf le petit trait sur le côté. Mais vas-y, chill. Vas-y, chill. Ou bien je l'ai fait apparaître. Non, en vrai, c'est stylé, j'aime bien. Allez, je l'ai fait apparaître, au moins, il n'y aura pas de problème. Genre, il apparaît et disparaît. Chill. Allez, on va faire ça. Du coup, on va d'abord s'occuper du portail 1. Portail 1, il est juste là. Comment je te fais apparaître, toi, mon loulou? Comment je fais? Avec ça que je mets là-bas. Ça comme ça là. T'aimes bien là comme ça. T'aimes bien là. T'aimes bien ça. Hein. Excusez-moi, des fois je suis. N'écoutez pas. Ah merde, vous êtes en live, vous êtes sur mon live plutôt, vous êtes obligé de m'écouter. C'est embêtant, effectivement. Bien vu. Ok, ouais, comme ça, ce sera très bien, écoute. Hein. Allez, soyons fous, comment on anime ça? Est-ce qu'on fait un anime classique? Ah, ça va être inversé. Ça va plutôt être comme ça. Allez, comment on anime ça? Est-ce qu'on fait ça juste comme ça? Attends, déjà, hop, on arrondit. Ok, et tu me proposes quoi d'autre? Si je te dis, genre, fais-moi ça. Non, mais, arrête de bugger. Comme ça. Comme ça, je sais pas convaincu. Tu me proposes quoi d'autre? Si tu te dis comme ça. Ok, c'est une proposition. Ah, j'aime bien comme ça. J'aime bien ce que tu me proposes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre. Alors, on va faire apparaître au moins un truc. Je me dis, si je suis gourmand. Attends. Si je suis gourmand et que je te dis carrément, tu prends une seconde pour apparaître. Est-ce que une seconde, ça te convient ou pas? Si on fait ça comme ça, genre.
Shtung. Ah. Ah, lui, il s'en fout d'apparaître. Visiblement. Visiblement, lui, de toute façon, il a disparu. Donc, ok, là, il est là, lui. Ok, j'ai pas fait apparaître le bon truc. Si, visiblement, si. Ah, je suis con, c'était le logo, il est noir, sur fond noir. Quelle bonne idée! Ok. Si, genre, on se dit qu'on fait apparaître ça comme ça. Allez, soyons fous. Si on se dit qu'on se met à une... à 10 images, genre. 1, 2, 3, 4, 5. On va d'abord faire 5 images. Si on se dit qu'on se met à 5 images. Oh, oh, il y a une proposition, il y a une proposition. Ça passe de fou avec le manga derrière. Toi, ça te dérangeait pas le... Enfin, l'animation passe de fou. Moi, ce que j'essaie de régler là, c'est le fait qu'il y a le bâton qui est tout seul dans le vide. Là, il y a un timing. D'ailleurs, attends, on va dégager ce putain de... Voilà, cette putain de gris qui me stresse. Peut-être un timing un peu trop short quand même, genre on va retarder dans le corps de... 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Du coup, ça fait 10 images. Là, il y a un timing. C'est marrant quand on visionne l'animation toute seule, genre tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Hop là. Et dans l'idée, peut-être qu'on fait ça. Et Et genre, tu vois. Et juste après, ça se rembobine. On essaye. Alors en fait, c'est un peu particulier, et du coup, je peux me permettre de rajouter encore des trucs qui bougent. Toujours plus de trucs qui bougent. C'est cool, les trucs qui bougent. Du coup, moi, je vais faire des trucs qui bougent. Peut-être il est pressé de se barrer, tu sais. Est-ce que c'est choquant? Si, on va peut-être lui laisser juste genre 2 secondes. Tu sais, genre on lui laisse le temps de se poser. Voilà, on lui laisse 5 secondes. On lui laisse quand même le temps, on lui dit vas-y chill, c'est bon. Quand tu considérais l'avoir fini précédemment. Donner une vraie valeur, ça dépend, parce que déjà avant il y avait une grosse pré-prod, c'est tout ce qui est de trouver l'idée, tout ce qui est écriture et tout. Mais dans l'idée, on a plié en janvier les mémoires. Ensuite février, c'était le mois un peu transition, on va dire. Et depuis fin février jusqu'à juin, c'était pon. Du coup février, mars, avril, mai, juin. Et la prod, ça a vraiment bossé tout le mois de juin, tout le mois de mai. Quasiment dans ces eaux-là. Du coup, ça donne quoi là? Ça fait apparition. Et tu vois, ça laisse juste un petit temps de respire. On va lui laisser un timing de 10 aussi. Genre, voilà, c'est ça, c'est genre apparition, le truc apparaît, on pose et ensuite ça part. Et hop, hop, là ça me plaît. Là c'est vraiment chacun sait son rôle. C'est vraiment j'apparais, je sors et je disparais. Voilà, y a pas, on n'est pas pressé, tout se passe bien. Laissez-moi avec mes commentaires, je suis en train de communiquer avec les éléments que j'anime. Non.
Et là, du coup, une fois que j'en ai terminé un, dans l'idée, les autres, c'est tout pareil, hein, quasiment. Voilà, dans l'idée, on va aller prendre le deuxième. On va activer l'échelle. Hop là. Tac. Tac. Et du coup, le truc qui va être intéressant là, ça va surtout être de récupérer ça. On va foutre comme ça. Ok. On fout ça à 0. Parfait. On le duplique derrière. Hop là, du coup on en a deux qui sont à 0. On récupère tout ça, on courbe. Et on courbe comme ça. Voilà. Et là du coup, les deux traits ont les animations simultanées. Mais c'est vraiment pas ouf. Ah, tu l'as généré là tout de suite? Envoie, si t'as ça. Ok, le deuxième trait fait sa vie correctement. On va aller animer le troisième qui est juste là. On va d'abord recentrer ça et ensuite on active l'échelle. Tac, 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 tac. On courbe. On met à 0. Hop. On rentre là-dedans. Tout se fonctionne. On courbe comme ça, à plat, et on peut visionner. Une version clean de sa voix où tu fais les choses. Pour l'instant, j'ai pas envoyé. Pire ou mieux que Nature Galiche. Elle est magnifique la couverture du petit papa Galiche, qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai que je pourrais la faire avec l'IA, il chantera mieux que moi. Ils sont simultanés là pour l'instant, c'est magnifique. Ok, bon, ça fonctionne. Du coup, maintenant, on va les caler chacun sur leur timing. Non, non, qu'est-ce que j'ai fait? Rétablir. Oh là 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 là, j'ai appuyé sur un bouton. Déjà 23h17, oh, c'est la folie. Et c'est pour ça que, imaginez, y a pas, on peut pas donner une vraie heure, mais imaginez le nombre d'heures passées dessus, sachant que là, vous voyez que ce soir, ça fait plus d'une heure et demie, là, quand même, qu'on est lancé sur, sur Motion, et vous voyez qu'on a juste animé des petits trucs. Hein. Alors certaines scènes, j'ai pas besoin de vous donner le nombre de temps que vous imaginez bien. Tac, ok. Ok. Et là, du coup, ils sont chacun sur leur timing. Alors, je tombe un random de vous deux à 10 minutes qui parlait clairement et je peux faire des covers. Bah, envoie-moi un message pour me le rappeler et je te fais ça. Je pourrais pas te le faire dès demain parce que demain je suis pas chez moi. Mais dans la semaine. Et mais les lives. Non, les lives, c'est qu'il y a des sons en fond. Parce que sinon, là, bonjour, c'est moi, c'est Gaëtan. Avec ma voix tout à fait. Naturel, mais c'est quoi s'il faut une voix où vraiment juste tu parles normalement ou tu tentes aussi des les intonations, tu sais, que de la personne, parce que tu sais des fois tu peux un peu t'amuser et tu peux parler, enfin voilà, tu peux parler de plein de façons, ou faut vraiment juste une voix monotone. T'as capté. Ah oui, c'est Gaulerie, d'accord, ils ont les timings mais pour l'instant je les ai pas fait apparaître tous les trucs. On va les faire apparaître. Tac. Allez, on va voir ce que ça donne. Un peu de tout, ok. Tu
Tu vois, là, ça sera moins choquant, je pense, sur le rendu final. Vu ce que ça annonce. Tac, tac. Bon, c'est, j'aime bien. La pire, le pire, c'est que c'est clean. Ok. On va pouvoir visionner. On va pouvoir voir ce que ça donne. On va bien voir. Play. Il y a beaucoup de moments comme ça qui sont super intéressants quand tu bosses avec After, c'est tu attends. Dans les lives entre les phrases, ça aime pas les. Ah d'accord, je vois ce que tu viens. Les canaux qui l'engueulent. Non mais t'inquiète, ça peut faire un monologue, parler, dire ouais ça va, tout ça. On peut raconter notre vie, enfin t'as capté, t'as les crampés. Ouais, j'ai quand même lâché ça. Mais je te ferai ça, ce sera marrant, au moins après dans un truc clean. D'ailleurs, petit tips, je commence à avoir du Valorant sur mon TikTok. Ça a débarqué. Il y a des gens qui sont soit insupportables, soit c'est des monstres. Il y en a, ils sont marrants, par contre, ils me font bien gueuler. Ah, mais il y a tout sur TikTok. Alors, là, ça donne quoi? Bon, franchement. Franchement. C'est clean, ça. J'aime bien, j'aime bien. Maintenant, j'ai juste le petit texte qu'on va pouvoir. De toute façon, c'est gratuit de rajouter une anime dessus. Il est là. Hop là, ok. Le texte ou l'ambition, voilà, c'est qu'il soit centré à la fin. Ok. Comment je peux me le faire apparaître ce truc? La 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 la. Je vais vous donner un petit tips aussi. Montage, tout ça, il faut savoir être malin. Par exemple, est-ce que je vais me faire chier? Est-ce que je vais me faire chier à animer un texte entièrement? Genre, c'est une vraie question. Hein. Est-ce que je vais me faire chier à animer un texte? Non, je vais pas bouger chaque lettre une par une. Je vais venir lui appliquer un effet et je vais venir modifier cet effet, tout simplement. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Bah, c'est pas bon pour After, visiblement, puisque After, bah, il... Ou After, il rame. Let's go! Mettre quoi en short YouTube? Et pourquoi il y a des chansons féminines comme certaines chanteuses dont tu es fan par exemple? Oh, tu peux me faire chanter du Billie Eilish? You can... Salut, moi c'est Emma. Et tu peux me faire chanter du Billie Eilish? Ah, je sais pas si je la tiens bien. Salut, moi c'est Emma. Avec mes amis. Oh, c'est dur quand t'as jamais fait cette merde depuis un mois. Mais moi, mettre mes clips Valo sur... Salut. Salut. Moi, c'est Emma. Avec mes amis, on s'est enfui de Grassfield House. Et maman, on l'a laissé là-bas. Parce que, bah, elle est pas gentille. Petit tips, tu peux pas faire du one-shot sur Emma, parce que sinon, c'est un peu la galère. Hein. Transition, text layer. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Ça, j'aime pas.
J'ai des trucs, c'est trop gogol, c'est juste le texte il bouge partout, il est en mode il est en mode coucou. Non, c'est de la merde, j'ai pas envie d'utiliser ça. Ouais, y'a un monde, hein. Y'a un monde où ça passe, hein. Attends, j'ai un peu peur du rendu, j'ai un peu peur de ce que ça va faire. Il a perdu la main, ah ouais. Attends, j'ai enlevé mon casque pour un peu m'entendre ma voix. Salut, moi c'est Emma. Salut, moi c'est Emma. Avec mes frères et sœurs, on habite tous à Grassfield House. Y'a Don. Bah c'est Don. Norman, lui. Non, je sais pas me dire, je connais plus les répliques. Norman, je l'aurais rise. Je sais plus. Non, j'ai compris que j'ai vu des clips qu'en gros, maintenant, il y a du Valorant dans mes pour toi, TikTok. Bah, TikTok me propose du Valorant. Oh, la façon dont il arrive, le texte. Il sort de nulle part, gros. Oh là là là, c'est terrifiant. Coucou. Il y a un monde où je le laisse comme ça. Hein. Ça va être terrible. PlayStation Star. J'ai mis des Valorant dans un montage de graphics. Faites pas gaffe. C'est un détail. Regardez, c'est magnifique ça. C'est le montage d'une vidéo de graphics. Ça ressemble à ça. Ça, c'est une vidéo de graphics. Mais je suis content. La dernière que j'ai sortie, j'ai voulu un peu plus pousser le format présentation en rajoutant des sons... juste là qui donne en fait une ambiance à la présentation. Là sinon, ça je pense que quand j'aurai fini la playlist, je le foutrai sur ma chaîne secondaire. Mais vous voulez un petit best-of là des actions que j'ai pu faire sur Valolo? Valolo. Voilà. Ok, je vous mets le petit best-of. Ok, alors d'abord on va finir le chargement sur... voilà. Ça donne quoi ça? Bah c'est dégueulasse. Ouais, ok, c'est dégueulasse. On verra ça après. Valolo. Ça, c'était mes clips à mes débuts. Ça a un petit peu amélioré. Hein. Genre là, par exemple, je lui ai mis une rafale sortie de... Ah. Il ne veut plus marcher. Ah si, c'est bon. Attends, désolé, on va pas mettre un grand écran, vous allez le visionner comme ça. Si on va mettre un grand écran, je vais juste fermer temporairement After. Allez, soyons fous. Ouais, avec ton situation actuelle, c'est pas très grand. Ça dépend, si tu parles des expressions, j'utilise surtout celles que je connais, des shakes. Et quand j'en ai l'occasion. Oh, la cover pas ouf. Là, je suis boosté à l'autotune son. Est-ce que tu peux garder tes AirPods dans tes oreilles quand je te parle, s'il te plaît, bâtard? Ouais, ok. Wow. Oh, si, on dirait moi en mode bâtard, tu peux garder tes AirPods. Ouais, je suis. Ah, oui, il y a des trucs qui sont un peu ouf. On va dire, je suis crevé. Ouais, c'est pour ma vie. Ah, ok. Du coup, Valolo. Bon, on est revenu un peu en arrière. Hein. Te relève pas. Un ennemi, 3. Là, on est sur un 4 quand même. 4 kills. Et regardez la petite doublette là en haut. Petite doublette. Là il y a des trucs très peu légal. Hein.
Et des fois il se passe des galères aussi. Mais moi je trouve c'est important de laisser les galères. Hein. La lutter comme ça. Vous remarquez que la Sage, regardez, elle a regardé son allié en mode bah pourquoi t'es mort. Elle la fout sur ma chaîne secondaire. Je pense que c'était la même Sage et la même Jet. Là je me suis dit petit flex. Oui j'ai une chaîne de poubelle. Bam. Et là, je vais me faire prank. Vous avez vu la smoke qui s'enlève et il y a la Jet à droite en mode « Hey, coucou !» Désolé pour les petits bugs, on est sur une preview logicielle. Petit troll. Ouais, oh, c'est Licano qui craque son prime. En même temps, il a vu des si belles actions Valorant, il s'est dit 25ème mois. Désolé pour la Sage. Elle, on sait pas trop ce qu'elle faisait. Petite tête des familles. Ça, c'est énervant quand les alliés te disent quoi faire. C'est genre. T'es là en mode mais wesh. Go, go, go! Ah, t'es mignon Licano avec toi, avec mon logo, mon ancien logo. Les quatre au shérif, hein. Des fois, il y a quand même des petites galères. Là, par exemple, le shoot, il est mid. Mais la finale. Est-ce que vous l'avez vu venir, celui-là? À me ramasser, on shoot avec ça. Contourner les gens, qu'est-ce que j'adore faire ça. J'ai mes placements qui sont de mieux en mieux, mais tout est loin d'être parfait, bien sûr. Hein. Ah, je viens de penser que je vais me faire copyright avec la musique, là. Bah, allez, tranquille. Ah, ça, c'est Golerie. Je suis mort. Il y a Gaïdich en off qui est pas content. Et la Sage, elle se dit, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais régène. Et moi, j'avais pas envie. Surtout que là je me retrouve en 1v1. Alors il y a plein de trucs qui se passent.
Elle envoie sa grenade. Si je reste dedans, je prends Vlad des dégâts. Parce que, première explosion, mes points de vie sont descendus à 55. Eh ouais. Et du coup, moi, je vole pour empêcher la grenade. J'ai mon ult. Je le foire carrément. Tac, 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 tac. Voilà. Elle a aussi son ult qu'elle a lancé. Mais vu que j'étais en vol, eh bah, je me le prends pas. Il y a trop de choses à la seconde. Et heureusement, c'était une bonne régène. Bon, il y a des galères. Hein. Comme là, ce moment-là où t'es au pistolet, et t'as les deux gars qui te rushent dessus. Ça, c'est un bon move. Bon. Petite anecdote sur ce clip là. Sachez que là je suis AFK. En fait t'as Agent qui m'appelle à ce moment là. Et il y avait Baboon mon frère à côté. Et du coup voilà ce qui va suivre. Je suis AFK, j'ai juste une main avec le téléphone en train d'appeler et l'autre en train de bouger la souris. Moi je trouve ça marrant hein. L'ennemi ne m'a pas vu. Donc je mets une tête. Oh putain, c'est un... c'est insupportable quand ça bug. Allez, bug pas, allez, tu peux le faire. Et c'est un combat perdu. Il y a un bug ? Oui, c'est la preview, hein. On est sur une vieille preview de logiciel de montage, du coup c'est complètement bugué. Hein. Comment rater toutes ces flèches ulti? Voilà, tuto. Hop, 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 hop. Y'a rien qui va. Hop, c'est raté aussi. Oh, c'est tiep. Ah, le clutch, ah, ils sont... des millions, ils sont... Le clutch n'est pas là. Merci pour l'info. Oh, derrière. Mais il est mort, donc je vais rester derrière. Il y a des fois... C'est notre game. C'est... Ouais, là, c'est nous. J'en ai tué un. Ok. Il a pris une balle. Juju. Le petit tra... Ouais, il désamorce. Il est beau ce travers. On window. Ah, pour l'instant, je crois que c'est la fin des clips. Celui-là, je suis trop. Et voilà, et là pour l'instant, il est là, mais. Je vais mettre tous mes autres clips à la suite. La vidéo fera 20 minutes, on s'en branle. En vrai, je le trouve beau parce que, genre, du coup, la meuf arrive. Elle court, elle a son ult, elle est toute contente. Et j'ai fait un suivi en fait. Et la balle, elle part en travers. Bam. Et du coup ça fait une tête travers, légendaire le machin. Voilà, c'était la... On a encore fait une jolie parenthèse. Tac, voilà, une parenthèse qui a bien bugué d'ailleurs au passage. Mais c'est rien, c'est le problème des previews. ...23h39. Bon, on va finaliser... la scène sur laquelle on est, je pense qu'on va arrêter là après.
Pour la prochaine fois, je sais pas si je l'aurais fait, si on le fera en live ou si je l'aurais fait avant, mais il y aura le rythme, enfin le, je vais aller détruire le montage, je vais aller récupérer le montage de Pone et je vais le tabasser. Je vais le prendre, je vais faire salope, salope. Je vais lui mettre des coups de poing. Je vais le frapper le montage. Je vais faire bam bam. Non, plutôt coup de couteau. Clairement c'est ça, je vais lui mettre des coups de couteau à Pone. Je vais prendre mon couteau, je vais faire schlac, schlac. Et après je vais enlever des parties. Schlac, schlac. Peut-être que l'image est un peu trop poussée. Ouais, je pense que l'image est un peu trop poussée. Demain je me lève à 8h, c'est quoi ça? On est en vacances et je me lève à 8h. Tu veux voir comment on tabasse un montage? Bah déjà je vais te montrer un exemple parce qu'il y a un truc qu'il faut que je fasse de toute façon. Regarde. Parce qu'en gros, mon théorique commanditaire, à la base, c'était YouTube. À la base, c'était YouTube. Et c'est un peu du bullshit, on va dire, mais regarde, YouTube est une plateforme machin. En gros, là, t'as une analyse de YouTube qui dit ouais, YouTube c'est trop bien, tout ça, ça. En résumé, YouTube est une plateforme en ligne populaire qui permet aux utilisateurs de télécharger, regarder et partager des vidéos sur une grande variété de sujets qui jouent un rôle essentiel dans le paysage médiatique et culturel. Comment donner envie aux fans de manga de revenir consommer des vidéos sur YouTube? YouTube rassemble de nombreuses communautés autour d'une multitude de sujets grâce à sa richesse de vidéos proposées chaque jour sur la plateforme. Aujourd'hui, une grande concurrence à YouTube existe, ce qui ne lui permet plus de bénéficier du monopole de partage de la vidéo en ligne. La communauté manga n'est plus trop présente sur le site et la plupart des créateurs de ce milieu se sont tournés vers la nouvelle tendance de vidéos dites vidéo téléphone, filmée à la verticale et consommable rapidement. Cette nouvelle tendance n'est pas le point fort de YouTube, malgré qu'ils ont essayé de se placer sur cette nouvelle pratique de consommation avec l'ajout de YouTube Short. C'est pourquoi YouTube aimerait proposer une nouvelle vague de vidéos originales et créatives autour des mangas sous format de série afin de renouer avec la communauté manga et de les garder sur la plateforme sur le long terme. Les épisodes de cette nouvelle série ne devront pas durer plus de 10 minutes afin de rentrer dans cette tendance actuelle de consommation rapide. Blablabla. Et visiblement, non, d'après mon jury, c'était un format qui a déjà été vu et revu, ce que j'ai proposé. Je vous lance le pari, trouvez-moi Pone sur YouTube. En dehors de Pone, bien sûr. Non, il sera pas diffusé lors de Angoulême, mais le festival de la BD d'Angoulême, ce sera mon nouveau commanditaire. Voilà. Presse. Let's go, faut se connecter, j'ai trop le seum. Hein. Les refs, est-ce qu'il y a moyen de... Pro, peut-être pro. Non, 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 non. Peut-être information pratique. Bon, bah écoute, on va le faire en classique. Logo, festival de la BD. Voilà. C'est vraiment ça le logo? Excuse-moi, je suis aigri. Ah ouais. Ah ouais, il est pas beau. Festival Angoulême, il n'y a pas marqué festival de la BD. Ok, il y a deux logos, on va dire. Ok, en gros, je vais aller chercher le... on va aller chercher le logo. Ressources, voilà. Voilà, on a le petit logo. On va pouvoir fermer ça. Oui, je vais l'animer, le logo sera animé du festival, du festival parce qu'encore une fois, ça fera, ah, regardez, c'est joli, ça bouge, regardez, ça bouge. Et en vrai, ouais, animer des logos, c'est assez marrant de toute façon. Salut Zelma. Pas de manga sur Google, ça me propose d'autres trucs. Oui, non, non, mais en fait, ce que je disais, c'est que le format qui est proposé, la façon dont imaginer Pone, c'est un peu, tu sais, genre, c'est de...
mes inspis, c'est du joueur du grenier, c'est du c'est pas sorcier, et tout, Vilebrequin, c'est de la vulgarisation, et en gros, c'est de la vulgarisation de manga. Qui l'a fait ? Et même si des gens ont fait de la vulgarisation de manga sur YouTube, qui l'a fait de la façon dont je l'ai fait, tu vois ? Après, chacun son point de vue. Bonsoir, salut Latsok, Latsohak, je sais pas comment on prend son pseudo, bienvenue à toi. Ok, du coup on va dupliquer mes séquences. Séquences, on va dupliquer le montage rendu. Et du coup ça va être le montage rattrapage. Voilà. Thématique de planche de manga de Pone ou ça va tenter une autre DA? Qu'est-ce que tu racontes? C'est-à-dire. Ligano, en vrai j'ai jamais un. T'essayes toujours de tenter des trucs mais je comprends pas ce que tu veux faire passer. Parce que les ce qui se passe à l'intérieur des scènes, ça va pas bouger non plus, parce que sinon sinon j'ai des dizaines et des dizaines de trucs à faire. Hein. Mais par exemple, je vais donner un exemple là, de trucs un peu retapés. Faut juste que je finisse de modifier ce que j'ai besoin avant de vous montrer. En fait, par exemple, dans le cadre de mon nouveau commanditaire, parfait. Voilà, je vous montre. Là, on est dans le cadre de mon nouveau commanditaire. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être ça, par exemple. Voilà. Ce sera pas modifié comme ça, mais dans l'idée, ça va donner ça. D'accord. Du coup, on peut directement dégager la voix de PL pour la version rattrapage. D'accord. Ah, d'accord. Petit raté, petit flop. nouvel élément, cache couleur, hop là, une vidéo planche, voilà, voilà, là par exemple on a ça, et du coup, le début de la vidéo ce sera ça par exemple, c'est pas exactement ça mais dans l'idée voilà, vous avez compris. Je vous propose qu'on aille voir ça de plus près. D'accord. Et là, en fait, à ce moment-là, le truc va être animé. Il y aura sûrement d'autres éléments aussi que je vais modifier, bouger ou ce que vous voulez. D'accord. Festival de la BD d'Angoulême. Pam, 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 pam. Ouais, je fais mes montages sur Premiere Pro, mes motions sur After Effects, mes montages photo sur Photoshop. J'utilise tout. tac. Et du coup, on en était à où? Je voulais modifier mon texte là. Mon texte qui pour l'instant a une animation qui... C'était un test, hein. On va remove. Alors, tout dépend, on m'a dit, tu vois. Resolve, ça va, je sais que c'est plutôt bien réputé, mais en fait, l'avantage des trucs Adobe, c'est que t'en as plein, mais c'est très avantageux. Parce qu'il y a des trucs que tu peux pas faire sur l'un et sur l'autre et tout. Alors, mon texte layer, comment je fais ? Comment je fais apparaître tout ça? Ouais, mais par exemple, si tu veux pousser tes vidéos avec par exemple Pone, le projet là que je suis en train de taffer, je vais te montrer un exemple de scène. Ça, tu vois, tu peux pas le faire sur Premiere Pro. Mais là, on n'est pas dans du montage vidéo, là, on est dans du motion. Mais ça, par exemple, tu peux pas le faire.
Alors, comment j'anime ça? Ça, c'est à chier. On va essayer de trouver un truc un peu classico. Ça c'est classico, ça donne quoi? Voilà. Voilà tout simplement. Voilà tout simplement le texte apparaît. Pas bien de s'embêter. Pourquoi se faire chier? Tout simplement, bonjour, nouveaux éditeurs. Et du coup la scène entière ça donnerait quoi? Déjà on va activer le son. Encore Cool Books ont fait leur apparition sur le marché. Encore Cool Books ont fait leur apparition sur le marché. Ouais, ça me paraît bien. Et du coup, si on fait tout apparaître, scène entière, ça donne ça. Comment tu fais ça? C'est de la pratique. C'est beaucoup de trucs. Là, par exemple, la scène qu'on taffe depuis tout à l'heure, c'est celle-ci. Et là, ce qu'on a taffé, c'est, comme tu vois, les apparitions. Là, c'est en train de charger, et après, tout va se rendre. Mais c'est les trois trucs qui pop. Et ensuite, à la fin, on a le texte qui bouge, pareil, en mode « Regardez, 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 ça bouge !»« Regardez comment ça bouge !»« Waouh, ça bouge trop !» Voilà, et là, ça donne ça. Bam, 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 nouveaux éditeurs. Et voilà, c'est bon, voilà, elle est bien, la scène. Non, elle est pas mal, non, ouais, elle est pas mal. Moi là je me dis que je suis convaincu, tu vois. On va du coup utiliser un crayon papier. Juste là-bas. Est-ce que j'ai un crayon papier sous la main? Let's go. Ok, parfait. En gros, sur mon nouveau storyboard, enfin sur un des storyboards, du coup là je vais pouvoir barrer au crayon papier les scènes qui sont complètement validées. Et ça, moi, ça me permettra de suivre ce que j'ai à faire. Ouais, ça marche, bonne soirée. De toute façon, on va, je pense, cut parce qu'on arrive à minuit. On s'était donné ça comme limite. 3h12 de stream en, au total. On a fini notre scène. On peut l'enregistrer. Je ferai un rendu plus tard. Ou peut-être là ce soir, juste avant de partir. Je vais juste vous montrer la gueule de l'InDesign. Regardez, bonjour, bienvenue. Ça du coup je peux fermer. Bienvenue dans mon dossier de production. Hey, look at this dude, this is, wow. Voilà, prévu, c'était bizarre. Voici mon dossier de production. Blablabla. Voilà, c'était le petit moment dossier de production très intéressant. On va pouvoir faire le rendu de cette scène. Hop là. Montage final. Hop là. Du coup, il y aura un dossier montage rattrapage. Hop là. Hop là. Du coup, on va pouvoir lancer le rendu. MP4, RVB, définir. Hop là, et du coup ça sera le rendu. Voilà. Je lance le rendu une fois que je cut le live parce que on sait jamais. À tout moment je clique sur rendu, le PC il explose. Ouais, InDesign ça sert. Ouais, ça sert InDesign. Même moi je suis choqué quand on m'a dit ça. Bon, du coup on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi ce live. Demain je pense pas qu'on streamera. Tout dépendra si je suis rentré le soir. Peut-être qu'on se fera du coup Hell's Paradise. La fin d'Hell's Paradise je crois. Mais en tout cas sur ce, bonne soirée à tous, bonne nuit, et on se retrouve dans la semaine pour du Valhalla, sûrement lundi. Surtout que lundi il y a Kozo qui pourra jouer, et peut-être que du coup on streamera pour ses premières games, ça pourrait être drôle. Du coup lundi peut-être pour du Valhalla, et ensuite on aura du Valhalla et du motion design pendant toute la semaine, tout jusqu'à mon rattrapage qui sera à la date du 5 septembre. Sur ce, bonne nuit à tous.
Il est l'heure d'aller dormir. Allez, bye bye.